Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Nuria TV, je suis Guillaume et je suis drôlement content de vous retrouver ce mardi soir pour une nouvelle émission en direct sur votre média. Installez-vous tranquillement et confortablement les Nuréens. Je vois que vous êtes déjà nombreux depuis un bon quart d'heure à avoir rejoint le chat sur la page YouTube de l'émission. Si vous êtes en train de nous regarder directement sur le site www.nurea.tv, sachez que vous pouvez continuer à regarder l'émission en direct sur ce site. Si vous voulez participer au chat, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page YouTube de l'émission. Vous allez sur YouTube, vous pianotez Nuréa TV et vous devriez nous retrouver sans aucun souci. Je vois que mon équipe de modérateurs est en place et je leur fais un gros bisou. Et je vois que vous êtes déjà drôlement nombreux. Henri qui nous dit « Fan, oulala, ça va trop vite sur le chat, pourtant j'ai mis le mode ralenti ce soir. Fan de JPP depuis le début, après les textes humides, l'égyptologie et maintenant la Bible top. » Et oui, ce soir, vous l'entendez rigoler derrière moi, ce soir c'est de la Bible dont on va parler. Alors, petite mise en garde quand même avant qu'on commence cette émission, parce qu'on vit des temps quand même parfois un peu troubles, un peu compliqués, et je sais que certains n'acceptent pas qu'on revienne sur les dogmes, qu'on se permette de les analyser, de les remettre dans un contexte, de voir comment ils ont évolué, bref, de faire tourner notre ciboulot. Donc, si vous faites partie de ces gens-là, les amis, on ne vous en veut aucunement, on est extrêmement tolérant. Je tiens juste à préciser que ce soir, on va se permettre quelques digressions, quelques réflexions sur ces livres que sont l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et donc, si vous acceptez de regarder cette émission, il ne faudra pas être choqué par des avis, des réflexions qui peuvent diverger du dogme que vous suivez. Nous, on vous respecte dans le fait de suivre ce dogme. On demande à tout le monde de respecter notre droit à réfléchir et encore une fois, à faire tourner notre ciboulot. Sans plus attendre, ce soir, eh ben, on l'avait reçu il y a quelques mois, il nous avait fait le plaisir de nous rejoindre en direct avec sa guitare pour fêter les 100 000 abonnés sur Nuria TV. Et ce soir, on le retrouve pour parler de deux livres, pas un livre, mais deux livres qui sont parus en septembre et qui sont sous forme de bande dessinée. Je crois qu'il vous en parlera bien mieux que je ne saurais le faire. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Jean-Pierre Petit une nouvelle fois sur Nuria TV. Bonsoir Jean-Pierre, soyez le bienvenu. Bonsoir Guillaume, bonsoir. Donc ce soir, je suis très content de vous retrouver, vraiment, et on va parler de ces deux livres. Alors, je vais vous les montrer, mais je vais vous partager la petite affiche. Ces deux livres, ils s'intitulent « La folle histoire de Dieu » et le second, c'est « Jésus de Nazareth ». Deux ouvrages que vous avez fait sous forme de bande dessinée, puisqu'on connaît vos talents de dessinateur, et qui reviennent sur ces deux ouvrages dont je parlais en préambule, cet Ancien Testament et ce Nouveau Testament. Et ce soir, bah, c'est là-dessus qu'on va naviguer, au fil des planches qu'on va partager ce soir à nos auditeurs, et essayer d'y voir un petit peu plus clair sur le déroulé de cette folle histoire de Dieu. Je trouve que le titre est plutôt bien choisi, « La folle histoire de Dieu », ouais, ça correspond à ce qu'on retrouve dans la bande dessinée. Oui. Alors, ce livre, déjà, première question avant qu'on rentre sur le fond du sujet, on vous connaissait sur la question OVNI, sur la question égyptienne, bien qu'on ne l'ait pas traité ensemble sur Nuria, je sais que vous avez eu pas mal de réflexions là-dessus. Surtout en science, on a suivi vos travaux. Pourquoi vous êtes intéressé à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament et pourquoi ces deux ouvrages sous forme de BD? Écoutez, ça remonte à 20 ou 30 ans. J'avais regardé une émission de télévision qui se passait à Jérusalem, et vous savez qu'à Jérusalem, il y a les juifs, il y a les chrétiens, il y a toutes les confessions, effectivement, qui correspondent au peuple du livre. Et ces gens-là étaient en train de s'empailler dans cette émission de télévision. Je ne comprenais pas grand-chose, et simplement je les voyais sortir en disant « Tout est dans le livre ». Pour eux, tout était écrit dans le livre. Je me suis dit « Mais de quel livre ils parlent ?» Alors ça montre un peu à quel point on peut être complètement ignorant de ces choses-là. Il faut découvrir tout ça. Donc je me suis pris une édition de poche de la Bible, j'ai commencé à feuilleter ça, et c'est vrai qu'il y a une chose quand même, c'est pour ça que je crois que j'ai rendu un service, parce que la Bible c'est 2000 pages. Hein. Quand vous voyez ce truc-là, que vous plongez là-dedans, il y a trop de personnages, on se perd dans une histoire filandreuse absolument inimaginable. Donc, moi, je crois que j'ai réussi à faire un livre qui est lisible, et même il y a certains moments où je dis, bon, bah, alors, là, il ne se passe pas grand-chose, voilà la suite généalogique des rois qui se succèdent, ils n'ont pas fait grand-chose, il y a un tel, un tel, un tel, comme ça on passe, hein. Il y a des psaumes qui sont absolument interminables, donc je crois que j'ai essayé de faire... Il y a quand même un passage dans l'ensemble de la Bible que je n'ai pas réussi à traiter, et ben, c'est l'Apocalypse de Jean, ça j'étais complètement largué. Vous avez le Joker. J'ai sorti mon joker, parce que là, vraiment, on est paumé, quoi. Et j'ai pas eu envie de me servir de ce texte comme d'une espèce de thème conspirationniste et tout ça. Bon, voilà. Mais bon, d'ailleurs, l'Ancien Testament,
Il y a une suite logique, c'est une histoire hein, complète. Et quelquefois, on finit par se demander comment est-ce qu'on arrive à faire une religion avec un truc pareil. C'est vrai que c'est très compliqué. Le film métaphysique nous échappe un peu, que toujours. Hein. On voit simplement, il y a toute une suite historique avec des rois, des prophètes, des histoires, des combats, etc. Voilà. Mais c'est passionnant, quoi, c'est Mais passionnant. il est vrai qu'il est très difficile d'extraire de ces écrits-là l'aspect métaphysique. Il y en a un derrière qui évolue au fil du temps. En tout cas, il y a une vision du comment, du pourquoi, de notre raison d'être ici qui émerge au fil du temps. Mais bah, déjà, premier point, comme vous aviez dit, prendre la Bible comme ça pour un néophyte tel que moi et se farcir, si je puis me permettre, les 2000 pages, on n'y comprend rien. Il y a Oui, c'est vrai. énormément de personnages, énormément de liens, de filiations, etc. Et je pense que la BD arrive à point nommé. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui découvriront ces textes-là à travers ces deux ouvrages. Le plus dense, c'est celui-ci. Hop, La folle histoire de Dieu. 400 pages de bande dessinée. Donc, bon, ben, ça fait déjà un beau corpus avec aussi pas mal de textes. Ça permet d'y voir un peu plus clair. L'éditeur a fait un très bon choix parce que finalement, il a sorti ses bouquins en format A5, comme ça. Format A5, c'est la moitié de 21-29 mètres. Et finalement, c'est un livre assez léger qu'on peut mettre dans un sac, qu'on peut emmener à la plage. Alors qu'avant, on avait fait une édition. Alors, je vais vous la montrer d'ailleurs. Il y a eu une édition antérieure. Et c'était épouvantable. Voilà l'objet, vous Ah voyez. oui. Ça pèse 4,5 kg, vous voyez. Alors, même quand vous voulez le lire sur votre lit, ça vous écrase le ventre, c'est trop lourd. Vous n'allez pas vous promener ça dans le métro, c'est pas possible, c'est Ben, trop lourd. moi, pour être honnête, le premier, en tout cas, je l'ai lu en plusieurs fois. Je l'emmenais avec moi en partant au travail. Donc, dans le bus, j'avais 20 minutes devant moi, je me posais et puis je parcourais l'histoire de deux trois prophètes. Et effectivement, le format se prête tout à fait, ça rentrait dans le sac. Vous voyez, à part ça, il est certain que le traitement que j'ai fait du Nouveau Testament est complètement différent, quoi. Parce que là, c'est vrai, ça change complètement. Il y a un aspect humaniste qui est quand même beaucoup plus évident. Parce que dans le Nouveau Testament, on s'entend plus pas mal, hein. D'ailleurs, je situe ça au début de la bande dessinée en disant que c'était l'époque, hein. Je veux dire, voilà. Disons que les conventions de Genève n'étaient pas encore inventées, quoi. C'est certain. J'ai perdu le commentaire, mais quelqu'un qui disait la Bible n'est pas un livre ésotérique, c'est une saga. Et je trouve qu'effectivement, le terme saga s'y prête bien. On a une saga avec quelques ruptures dans les filiations, mais c'est une saga qu'on suit. Et de ce corpus-là, on essaye d'extraire des données métaphysiques, au moins de comprendre comment une telle saga peut déboucher sur un dogme religieux. Et vous avez vu que, par exemple, la table de la loi avec tous ses préceptes, ça ne s'applique pas aux autres. C'est une tuerie à points, mais par contre, c'est dans le club. Oh, En dehors. on va y venir, on va même démarrer là-dessus, parce que ça, c'est quand même la grosse question. Parce qu'il y a forcément une question de morale au milieu de tout ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. On va voir que ça peut se retrouver quelquefois dans ces textes. Allez, allons-y. Avant Je qu'on se compte. penche là-dessus, j'ai une autre question quand même. On en a un petit peu parlé tous les deux. Les deux ouvrages, je les re-rapproche, sont signés Jean-Pierre Petit et Jean-Pierre Lévy, qui sont une seule et même personne. Que doit-on comprendre derrière ces deux noms différents? Bien, c'était expliqué dans l'ancienne édition. On va le rajouter dans les tirages suivants. Oui, je crois qu'il vaut mieux. Il faut raconter cette histoire. Disons que moi, j'ai été élevé par ma mère pendant la guerre. J'avais pratiquement pas connu mon père et j'avais été habitué à m'appeler Jean-Pierre Petit. Et quand j'ai eu 19 ans, il y a eu un recensement. Et à ce moment-là, tous les élèves de ma classe ont reçu une feuille de recensement, et pas moi. Alors, mon prof de français m'a dit, bon, bah, écoutez, il vaut mieux que vous fassiez recenser, sinon on va vous appeler pour faire votre service militaire à 25 ans, c'est idiot. Alors, je suis allé à ma mairie de naissance, ma mère m'a évidemment rien dit. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai cherché un Jean-Pierre Petit à la mairie de Choisy-le-Roi, 5 avril 1937. Et le type m'a dit, j'ai personne. Alors, on a cherché le 6 avril, on a changé de mois, on a changé d'année. J'ai passé l'après-midi à la mairie, je suis rentré en disant à ma mère, eh bien, je n'existe pas. On m'a pas trouvé. Voilà. C'était une femme qui était très
bon, je dirais coincé, quoi, très vieille France. Et à ce moment-là, elle m'a dit, mais oui, ton père s'appelait pas comme ça. Ah bon? Mais comment il s'appelait? Mais il s'appelait Lévi. Alors, ça, je me disais, c'est incroyable. Alors, je suis juif, non, pas du tout. Il y a une chose, c'est que Isabelle la catholique en Espagne, au 15e siècle, tout d'un coup, elle a décidé de foutre les juifs dehors. Donc, ils avaient le choix suivant, c'était la conversion ou le bûcher. Hein. Et donc, à ce moment-là, il y en a qui sont partis, beaucoup. Donc, il y a tous les juifs d'Afrique du Nord venaient, par exemple, d'Espagne. Et puis, ceux qui se sont convertis sont appelés les maranes. Alors, évidemment, il y a des maranes qui ont fait semblant d'être catholiques en faisant un petit peu un culte juif en douce, mais il y en a qui sont devenus des catholiques fervents. Donc moi, j'étais issu d'une famille catholique Bigot-Lévi. Alors, vous savez, en Espagne, Monseigneur Cohen ou le révérend père Abraham, il n'y a pas de problème, quoi, ça passe très bien. Alors, en France, moi, j'avais reçu une petite éducation catho, bébête, quoi, Boy Scout et compagnie, enfant de cœur, et tout d'un coup, je me retrouve avec ce patronyme. Alors, évidemment, ma mère a eu tout à fait raison de me cacher ce nom-là, parce que pendant la guerre, c'était un aller direct pour Auschwitz, un truc comme ça, donc il fallait mieux pas que je le sache. Le mieux pour que je ne bavarde pas, ça a Pour vous été de me. protéger de tout ça, ouais. Exactement, elle a eu raison, quoi. Alors après, moi, je me suis retrouvé avec ça, et bon, à l'époque, j'étais adolescent, je sortais de cette famille catho un petit peu étriquée, c'était pas très marrant. Tout d'un coup, je me suis retrouvé avec le racisme. Les juifs m'ont dit, tu viens au cours d'hébreu, mais je ne suis pas venu au cours d'hébreu, j'étais au fond de cœur. Comment tu refuse ta judaïté. C'était inextricable, un truc comme ça. Donc, j'en ai eu marre. Je suis allé au Conseil d'État, au service des changements de nom. J'ai dit, voilà, je voudrais m'appeler Dupont, Durand, n'importe quoi. Je voudrais qu'on me foute la paix. Parce qu'entre les cathos d'un côté, les juifs de l'autre, merde. Voilà. Et alors, le type a ri. Il m'a dit, écoutez, calmez-vous. On va vous mettre le nom de petit oncle. J'ai été autorisé à porter le nom de ma mère. Voilà le fond de l'histoire. Alors, ce qui s'est passé, qui est très drôle, c'est que pendant un moment, j'ai eu un passeport au nom de Lévi. Et je l'avais gardé. Et après, quand je suis parti aux États-Unis en 1961, bon, je suis arrivé à l'université de Princeton, et là, je n'étais pas du tout à l'aise parce que c'était une université qui était une des rares qui n'était pas mixte. Et pour un Français, être dans une espèce de monastère pour mecs, ce n'était pas supportable. Donc j'ai foutu le camp, je me suis retrouvé à New York, et là, j'ai trouvé du travail à Brooklyn, chez les Juifs, et j'ai passé 3 mois. Dans la communauté juive, ils ont tous cru que j'étais juif. Imaginez tout d'un coup qu'on vous dise vous êtes noir. Alors moi c'est pareil. Et alors, vraiment, mais c'était incroyable parce que je connaissais rien aux traditions. Donc il y avait tout leur rituel, leur truc. Par exemple, ces gens-là avaient deux cuisines. Ils avaient une cuisine pour le lait et l'autre cuisine pour la viande. Parce que dans les juifs intégristes, là, on ne mélange pas les deux. Alors moi je découvrais tout ça, c'est extraordinaire, quoi. Bon, ben. C'est vrai que c'est des gens très gentils, mais j'ai eu l'impression qu'ils étaient très refermés sur un aspect communautaire, quoi. C'est ainsi que les Juifs de New York, c'est vraiment un clan, quoi, voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle les juifs orthodoxes, c'est ça? Non, Non? pas orthodoxe, non, mais bon, vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, on n'est pas là pour parler des Juifs, En enfin. particulier? En particulier, mais je peux vous dire que 3 mois comme ça, c'est comme si on m'avait barbouillé la figure en noir, je me suis retrouvé chez des Congolais, quoi. C'est pareil. Tout d'un coup, vous êtes là-dedans. Alors, à un moment, en quittant cette famille, j'ai dit à une jeune fille que je connaissais, tu sais que je ne suis pas juif, elle m'a dit, oh là là, heureusement que tu ne l'as pas dit à mon père. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les Lévites, vous avez vu, c'est une des 7 tribus d'Israël, et la tribu de Lévi, ce sont les prêtres. Donc c'est comme si je me retrouvais avec un oncle qui était de la Rochefoucauld, vous voyez, de C'est Belgique. la caste sacrée. Et tout d'un coup, vous êtes à la dérive à Paris avec un passeport au nom de la Rochefoucauld, tous les aristocrates vont servir la soupe et tout ça, voilà. Voilà, Donc voilà. une des nombreuses vies de Jean-Pierre Petit parmi Donc tant voilà. d'autres. Encore, on en découvre encore. C'est vrai qu'il y en a pas mal, c'est vrai que oh là là. Mon Dieu. Donc la Bible, l'Ancien Testament, réécrit en bande dessinée par un descendant de la tribu des Lévites. Alors ce Nouveau Testament justement, ben on va y venir, la première planche qu'on va partager, parce que ce soir on va essayer quand même de partager quelques planches, que tout le monde puisse avoir une idée de ce qu'il va trouver dans cette bande dessinée. D'ores et déjà, je vous le dis les amis, ne la loupez pas, c'est un pur régal à lire, qu'on s'intéresse ou pas à la religion. Il y a aussi cette note d'humour qu'on vous connaît,
qui fait qu'on peut tout dire aussi avec humour et ça fait drôlement du bien aussi boulot encore une fois. On va partager une première planche, c'est la base de ce dogme qui apparaît dans la Bible, c'est les 10 commandements. Et on voit ces tables des commandements. Moïse fut avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits, il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau, et il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Et donc là, bah, c'est des règles relativement claires, elles ne sont pas très nombreuses, contrairement à tous les préceptes maintenant qui constituent ces dogmes religieux. Et une qui marque, et qui est certainement la plus connue, c'est « tu ne tueras point ». Ah oui. Eh oui. Et finalement, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et non, on va le voir, parce que ça commence très tôt avec le premier, pas le premier, mais un des premiers prophètes, Abraham, un des plus connus, qui arrive après Noé et après Cham. Et il y a cette planche, la numéro 2 qu'on a sélectionnée pour ce soir, où Abraham se bat contre, le peuple hébreu se bat contre les Cananéens. Et puis ça vire au pugilat, comme de nombreuses fois dans cette saga, pour reprendre le terme du Nuréen de tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous voulez lire les bulles ou si vous voulez que j'en fasse la lecture, Jean-Pierre. Non, mais ce qui est, rappelez-vous, là, dans le dessin, vous voyez comment il s'appelle déjà ? Melchisédek. Qui dit à Abraham, en fait, il y a une chose, c'est que ton Dieu t'as déjà offert l'ennemi en cadeau, quoi. En fait, quand vous vous battez, c'est déjà joué. Donc, à ce moment-là, il y a cette idée que Abraham a et que ses descendants auront, c'est qu'il mène une sorte de guerre sainte et qu'à ce moment-là, lorsque Dieu l'a décidé, l'ennemi ne fait pas le poids. Voilà. Bon. Alors là, on passe, je crois, à la page 3. Là, hein. Et c'est là, il est question de guerre sainte, un concept qu'on retrouve aussi bien chez les chrétiens que chez les juifs, que chez les musulmans. C'est un concept qui lui a bien voyagé au-delà des religions. Et on se rend compte que le « tu ne tueras point » est un petit peu mis de côté. Là on voit 32 000, mais à chaque fois, c'est par milliers que les morts se comptent, femmes, enfants, hommes, bétail, tout y passe. Mais vous voyez, je crois qu'il y a un texte qu'il faut lire. Les Hébreux dévouèrent par interdit 60 000 personnes situées à l'est du Jourdain pour se faire la main. Et dévouer pour interdit, on trouve ça dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Dieu dévoue un peuple à l'interdit, c'est-à-dire qu'il le consacre pour être éradiqué. C'est un génocide. C'est-à-dire que tu ne laisseras en vie ni les hommes, ni les femmes, ni les vieillards, ni les enfants, ni même les animaux. Il faut tout ratiboiser. Et ça, c'est lorsque les Hébreux se lancent à la conquête de la terre promise. Et là-dedans, il y a des Palestiniens, évidemment, d'origine. Mais ils sont maudits, quoi. On retrouve d'ailleurs la malédiction de Cham. Et là, on le voit, puisque dans le livre, il y a une partie des textes qui sont de vous, mais une bonne partie des textes de la bande dessinée sont directement des écrits extraits de l'Ancien Testament. Et là, donc, par exemple, il y a un extrait du Deutéronome 21-16, voilà la phrase exacte, et c'est pour ça que dans ma bande dessinée, il y a énormément de textes qui sont des extraits de la Bible. Ces villes de ces peuples-là, que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage, sont les seuls où tu ne laisseras subsister aucun être vivant. En effet, tu voueras totalement à l'interdit le Hittite, l'Amorite, le Cananéen, le Panzilite, le Hivite et le Jébusite, comme ton Seigneur l'a ordonné. C'est vraiment le génocide complet des populations. Voilà. Pas fou, je vous le dis. Et dicté directement par le prophète, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des paroles de paix. Là, c'est Moïse qui rapporte la parole de Dieu à son peuple, et qui lui dit, ben en gros, tous ceux qui se trouvent sur notre route, on va tous les rayer de la carte. Mais les Hébreux ne sont pas les inventeurs du génocide, il y en a toujours eu, quoi. C'est-à-dire que les guerres saintes, c'était pareil. Les Assyriens. Oui, les Assyriens, c'est pareil. Les quoi. Babyloniens. Dieu disait une prophétie, c'est très commode, parce qu'à ce moment-là, le politique du coin, le roi qui va éradiquer une population voisine, il a la caution religieuse derrière lui. Donc c'est une utilisation politique du fait sacré. Oui. Alors il y avait une question sur le chat,
Je remets la planche à l'antenne. Il y a ce petit oiseau qu'on retrouve tout le temps dans votre bande dessinée, dans les lanturlus, etc. Et d'où vient ce petit oiseau, ce personnage qu'on retrouve dans toutes vos bandes dessinées, et qu'est-ce qu'il symbolise? Mais vous savez, dans mes bandes dessinées de l'entrelu, il y a un bestiaire animalier. Rappelez-vous, il y a le Il pélican. y a le pélican, oui. Le pélican, c'est l'éditeur qui, à chaque fois, comprenait rien, quoi. Alors, je me suis dit, quand le pélican parle, c'est pratiquement les remarques de l'éditeur. Il ne comprend D'accord. pas. Alors, après, Il y c'est a un surtout. escargot? Ah, le Tiresias, c'est l'escargot. Le Tiresias, c'est l'escargot qui était. Alors, à un moment, il y a un facteur qui arrive pour apporter un courrier à Tiresias et qui lui dit Monsieur ou Madame, et l'autre répond Aucune importance, parce qu'il est hermaphrodite. Oui, bon, voilà. Donc. Et le petit oiseau, c'est... Ben, le petit oiseau, je sais pas, c'est un petit peu là. Vous savez, il a un grand copain qui est une espèce de héron aussi, qui est un peu gland, quoi. Le petit oiseau, ben, il est là pour expliquer les choses, pour faire des commentaires. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que dans cette bande dessinée, ils ont les frisettes hébraïques. Vous avez vu, avec la kippa. Je leur ai donné un costume à des coins. Ouais, je le remets à l'antenne, on peut le voir, bah, ils ont adopté le dress code, si je puis dire. Voilà, exactement. Alors, une dernière vignette sur cette thématique, c'est la numéro 4. Oui. Là toujours, et ça se retrouve quand même beaucoup, tout au long de l'Ancien Testament, ces scènes de guerre et de génocide, on les retrouve constamment. Et puis, il y a ce personnage du peuple hébreu tout en bas qui nous dit, il est dit dans la loi donnée par Dieu, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Or, depuis l'aube, on n'arrête pas d'égorger des tas de gens et de piller leurs biens. En gros, il y a toute une partie des 10 commandements qui ne sont pas faits pour le peuple auquel ils ont été dictés, mais qui sont là juste pour les autres. C'est relativement clair quand on le voit en BD. Je sais pas, c'est très difficile de s'exprimer là-dessus quand on n'a pas lu, moi je le dis clairement, hein, j'ai pas lu l'Ancien Testament, j'avais quelques connaissances du Nouveau Testament, mais je pensais pas que c'était aussi guerrier, même s'il faut le remettre dans un contexte historique et que tout le C'est monde pour ça. faisait ça à l'époque. C'est pour ça que le lecteur doit avoir la bande dessinée dans la main gauche et la Bible dans la main droite. Et il faut qu'il aille lire. Disons que ce livre là-dessus, c'est une sorte de clé pour la Bible, pour la lire, hein. Et il faut que les gens aillent vérifier que je raconte bien ces choses-là. Je n'ai pas été sélectionné des parties particulières. Ça n'est pas de la dérision, c'est la réalité. Moi, j'ai essayé de suivre ces textes à la lettre. Tout ce qui est raconté là-dedans, ça se suit de manière totalement véridique. Et ça, je vous l'ai dit. Bon, là, vous avez le truc le plus simple à acheter, qui est la Bible, l'Ancien Testament en 2 tomes, en livre de poche. Mais moi, j'ai été chercher aussi la Bible hébraïque qu'on trouve. Et ça, vous verrez, c'est à la librairie Colbo, à Paris. Et j'ai été trouver ça, 3 rue Richer, à Paris, dans cette librairie. Et c'est là qu'on trouve une Bible qui est éditée par le rabbinat français. Parce que quand il y a des histoires, parce que l'Ancien Testament, c'est plein d'histoires de cul, hein, faut dire Il y a, ce qui est. il y a aussi pas mal de coucheries, oui. Il y en a pas mal d'histoires de fous, quoi. Vous avez vu, quand Lot, par exemple, ses 2 filles se disent qu'elles ne vont pas trouver de mari, et elles décident de coucher avec leur père. Elles Que font vous pensez? boire leur père et profitent Voilà. de son ivresse pour avoir une relation avec lui. Bon, alors effectivement, moi j'ai été chercher dans la Bible hébraïque pour savoir si vraiment ça racontait comme ça. Absolument, absolument. Donc il y a vraiment une imprimature. Donc, ça n'est pas des mensonges, ça n'est pas, je n'ai pas travesti la vérité. Alors, il y a Steph sur le chat qui nous dit, certains écrits de la Bible proviennent des textes sumériens. Et c'est très vrai qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, notamment Moïse. Moïse, on le retrouve déjà dans les tablettes sumériennes. Cette histoire est déjà racontée, avec d'autres noms, mais toute l'histoire y est déjà. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que toute cette violence qu'on retrouve est déjà empreinte de la culture sumérienne et n'arrive pas, comme l'histoire nous le raconte, dictée par la voix du divin? Vous savez, dans toute cette histoire-là, moi je ne me suis pas prononcé sur l'aspect historique. Vous savez même, par exemple, que pour le Nouveau Testament, on a quelques lignes de l'historien Flavius Josèphe qui cite Jésus.
C'est tout. Donc à part des transmissions écrites qui sont les évangiles, tout ça, on a vraiment peu de certitudes là-dessus. Les Juifs aussi font des recherches archéologiques. Effectivement, le temple de Salomon, il existe. Là. La preuve, il reste le mur des lamentations. Mais autrement, lorsqu'on essaye de pousser, il y a des historiens qui mettent en doute l'existence de Moïse. Mais là, on ne peut pas rentrer dans des considérations comme cela. Donc moi, j'ai pris les choses telles qu'elles se présentaient et j'ai pas cherché à faire un commentaire quelconque sur le fait que ça a été inspiré par ceci, par cela. C'est qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça raconte? Voilà des livres qui ont eu un poids énorme. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et pour les croyants, savez-vous sur quoi repose toute votre thématique? Voilà. Justement, Alors que vous parliez de l'histoire. Est-ce qu'on peut assimiler ça à un livre d'histoire? Pas vraiment. C'est l'impression que ça donne de prime abord, puisqu'il y a une succession logique, etc. Il y a cette vignette, notamment celle qu'on a sélectionnée, la numéro 5, où vous Ah oui. expliquez qu'il y a quand même beaucoup d'inversions, il y a des choses pas très claires au niveau de la rédaction, que la Bible contient des inversions chronologiques, des erreurs historiques. Ça n'est pas l'exclusivité du Coran, quoi. Il y en a aussi dans la Bible. Tous ces textes sacrés comportent des inexactitudes qui font qu'on ne peut pas prendre au pied de la lettre d'un point de vue historique tout ça. Au niveau des rédacteurs, il y a même certaines parties, on n'est pas sûr que ce soit les mêmes qui les ont écrits. En fait, on sait très peu de choses sur les gens qui ont écrit ces textes-là. Par contre, vous savez sans doute que les Juifs ont retrouvé près de la mer Morte, dans des grottes, des jarres qui contenaient des rouleaux dans lesquels il y avait des textes qui, à ce moment-là, correspondaient, non pas à l'époque biblique, mais disons, avaient été faits, je crois, en 70 après Jésus-Christ. Et donc, c'était des textes écrits en hébreu ancien, et on a eu quand même la surprise de constater qu'il y avait assez peu de dérives par rapport aux textes actuels. Donc ça, c'est important. C'est une façon de dire, bah, effectivement, comme ce sont des textes empreints d'une grande religiosité, quand les gens les recopiaient, faire des ajouts était impie. Donc ça garantit une certaine fiabilité. Maintenant, c'est tout, on ne peut pas en dire plus, quoi, c'est tout. Mais c'est bon à savoir que ces textes sont quasiment des originaux. On va s'intéresser un peu maintenant à l'évolution du message divin, des consignes, du message relayé par les prophètes. On se rend compte qu'au fil des siècles, puisque c'est une histoire qui s'étale sur plusieurs centaines, voire milliers d'années, les réactions, que ce soit de Yahvé, le Dieu, ou les consignes transmises par les prophètes, elles sont modifiées, elles s'adaptent au temps. Il n'y a pas quelque chose de continu et d'immuable. Tout ça bouge au fur et à mesure. C'est curieux parce qu'il y a des périodes d'ouverture, puis après ça se referme, quoi. C'est assez curieux. À un moment, Isaïe est très universaliste, vous avez vu. D'ailleurs, vous avez isolé les pages là-dessus, on le verra. Mais c'est un peu le fait de la politique, ça, finalement. Si on compare à l'histoire des nations, les nations pareilles ont des périodes où elles s'ouvrent, où elles se ferment, et pour des raisons politiques. Oui. Oui. C'est là que comment dire, le Nouveau Testament fait un petit peu exception, où à ce moment-là, justement, le personnage principal, Jésus, dit on ne mélange pas la politique et la religion. Il y a votre façon de vivre votre foi, mais laissons à César ce qui revient à César. Il ne veut pas se mêler de cette histoire-là. Et en fait, il est effectivement victime de son caractère extrêmement révolutionnaire. Parce que, rappelez-vous, quand il considère qu'un soldat romain est un homme qui a plus de foi qu'un juif, c'est une catastrophe, quoi. Puis en plus, il est venu pour les malades et pas pour les bien-portants. Il soupe avec une prostituée, etc. Il amène un petit courant d'air frais sur tout ça. Ah oui. Plus Et qu'un courant d'air frais, un tourbillon. on sent que ça va mal finir, quoi, c'est sûr. Il a un peu tout fait pour, encore une fois, étant donné le contexte. Je reviens sur ces consignes. Alors, il y a cette vignette, c'est la 6, où on a Yahvé, qui intervient parce que le roi Akab,
fait preuve de clémence vis-à-vis d'un ennemi capturé, Ben Hadda. Et Yahvé ne supporte pas que ce roi passe au-dessus de la consigne que lui avait transmise de laisser un homme et un peuple voués à l'interdit, donc condamnés au génocide, alors que le roi Akab lui laisse la vie sauve. Oui, mais il y a plusieurs histoires comme ça. Et à ce moment-là, le prophète de service se manifeste en disant, mais comment? Moi, Dieu parle par ma bouche, tu as laissé ces gens en vie, c'est une faute. Et le roi le paye cher, d'ailleurs. Et à d'autres moments, là encore, je poursuis sur d'autres vignettes, il y a l'histoire de Jonas. Alors Oui. Jonas, il y a toute l'histoire avec la baleine, etc., que vous retrouverez dans le livre. Et là, il y a Jonas qui arrive à Ninite, vers la ville de Ninite. Dieu, au début, fait pousser une plante qui grandit au-dessus de lui, de sorte qu'il avait de l'ombre au-dessus de sa tête. Et les textes disent, la plante avait causé une grande joie à Jonas, alors le Seigneur envoya un ver qui la fit crever et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Donc déjà, il est un petit peu joueur. Il donne et il reprend. Je crois qu'il faut expliquer un petit peu l'histoire de Jonas. Eh En bien, fait, je vous Dieu en lui prie. dit, va et va parler à ces gens. Et Jonas, il dit, ils vont m'égorger, c'est des gens vachement violents. Et il décide de foutre le camp. Et à ce moment-là, il essaye de prendre un bateau pour prendre la fuite et pour refuser les ordres que Yahvé lui a donnés. C'est là qu'à ce moment-là, il y a une tempête, les marins le jettent à la mer, il est avalé par une baleine. C'est une histoire absolument à mourir de rire. Alors après, quand il est recraché par la baleine sur une plage, eh bien, il comprend que Yahvé ne plaisante pas. Alors je dis simplement, il prit une douche avant de prendre la route, parce que quand on est dans une baleine, c'est un peu dégueulasse. Et alors après, effectivement, il se promène à Ninive, il dit, habitants de Ninive, repentez-vous, il va se passer une catastrophe dans 40 jours, dans 30 jours, dans 20 jours. Et puis le jour dit, il ne se passe rien. Alors il est complètement déçu, pauvre vieux. Il dit, voilà, rien n'arrive, mieux vaut mourir que vivre. Hein. Et à ce moment-là, à la fin, le Seigneur lui dit, alors tu fais toujours la gueule? Voilà, et effectivement, c'est une façon de dire que Dieu prévit des catastrophes et elles arrivent ou elles n'arrivent pas. Il est complètement maître du jeu, du scénario. Voilà. Hein. Et par contre, derrière, dans cet épisode de la ville de Ninive, cette fois-ci, c'est Dieu qui demande à Jonas d'épargner la ville de Ninive, parce que Jonas ayant eu pitié de la plante, Dieu lui dit, je vois pas pourquoi moi j'aurais pas pitié de Ninive, Ah, voilà. de la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Et là, c'est un Exactement. texte, c'est tiré de, Voilà. là encore une fois, c'est tiré de l'Ancien Testament, c'est assez surprenant. Voilà. Et simplement, tout d'un coup, Yahvé devient miséricordieux. C'est étonnant. Voilà. Bon. Il Il y souffle avait un une... petit peu le chaud et le froid. Oui, bon, voilà. On voit Alors. aussi, il y a autre chose qui évolue, c'est les rites. Ah. Et on sait que tout est très codifié. Vous parliez tout à l'heure des rites autour de la nourriture, et ça on le retrouve dans diverses religions, hein. Je pense que la religion hébraïque et l'islam sont peut-être les deux religions où on retrouve le plus d'impératifs au niveau de l'alimentation. Peut-être encore plus. Et puis, mais il y a tout un tas de rites, ça dépasse ce cadre-là. Beaucoup plus chez les Juifs, c'est encore plus riche. Oh là là. Tout est codifié. Oh là là. Alors, tout juste, il n'y a pas un dentifrice halal, quoi. Tout est codifié. Et... Les prêtres, notamment les lévites, sont les garants de tout ça, du fait de perpétuer ces traditions très codifiées qui encadrent toute la vie du croyant juif. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc ces rites, il y a un des prophètes de l'Ancien Testament, donc un des prophètes du peuple hébreu, Ésaïe, qui est un des plus connus, qui lui aussi à un moment commence à dire, Absolument, absolument. il faut arrêter avec tout ça, le message n'est pas le bon. Oui, il tranche complètement et tout d'un coup, il s'en prend aux Lévites avec leur sacrifice en disant, regardez ce qu'il dit, la graisse des veaux, j'en suis rassasié, le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi... Qui vous demande de fouler mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes, la fumée j'en ai horreur, vos solennités je les déteste, quand vous éternuez les mains je me voile les yeux, vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas,
Vos mains sont pleines de sang. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, venez et discutons. Si vos péchés sont comme de l'écarlate, alors ils deviendront blancs comme neige. Alors c'est intéressant parce que donc il y a un dialogue avec la possibilité d'avoir la rédemption de ses péchés. Oui, ces idées, c'est intéressant cette BD parce que on voit des concepts comme ça qui apparaissent, quoi. Il y a des choses qui sont des condamnations absolument impossibles à effacer, d'autres tout d'un coup, Isaïe, déjà, il est beaucoup un précurseur des thèmes chrétiens. Il est en avance et il annonce qu'on va retrouver dans le message de Jésus-Christ. Oui, absolument. Alors c'est peut-être le seul qu'on peut. Peut-être pas le seul, mais un des rares dans les prophètes de l'Ancien Testament qui tient ce genre de discours. Absolument. Mais il va très loin, puisque rappelez-vous, il dit à un moment au temple de Jérusalem, on choisira des prêtres parmi les peuples étrangers. Et ça, pour les Juifs, c'est impensable. Vraiment, Esaïe tranche complètement. Curieux. Voilà. Et alors, je poursuis avec une autre planche sur cette thématique. Sur ces fameux holocaustes. Alors on voit l'origine du terme holocauste, qui sont les sacrifices en fait faits à Yahvé. Alors vous savez que la Torah, la version juive de l'Ancien Testament, il y a 5 livres. Hein. On appelle ça le Pentateuque. Pentat en grec, ça voulait dire 5. Et là-dedans, il y a un livre qui est lévitique et qui contient tous les rituels. Alors regardez par exemple cette précision. Si c'était un holocauste d'oiseaux qu'on veut présenter au Seigneur, on apporte un présent pris parmi les tourterelles ou les pigeons. Le prêtre le présente à l'autel, il lui arrache la tête et la fait fumer, puis il fait gicler le sang sur la pointe de l'autel. Ensuite, il détache le jabot avec son contenu et on le jette à côté de l'autel, à l'est, à l'endroit où on dépose les cendres et les graisses. On fend l'oiseau entre les ailes, on ne les sépare pas, puis le prêtre le fait fumer à l'autel sur des bûches placées sur le feu. C'est un holocauste, un mets confumé, un parfum apaisant pour le Seigneur. Il y en a plein, des comme ça, c'est extraordinaire. C'est impressionnant de détails. Ah, oui, voilà. Il y avait un autre passage quand on parle de l'Arche d'Alliance. Oui. Alors c'est connu, on savait sur l'Arche d'Alliance, Yahvé dicte les dimensions exactes de l'Arche d'Alliance, tout est carré, mais il va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il va même jusqu'à dicter la tenue de celui qui va s'occuper de l'Arche d'Alliance, la toile de tente qui va abriter l'Arche d'Alliance, le nombre d'agrafes qui vont relier les pans entre eux, tout est précisé. Vous avez dit que cette toile est en peau de dauphin. Oui. Comme des choux sur la soupe. Et là-bas, j'ai deux personnages qui se disent, mais qu'est-ce qu'il va chercher ça? Il va pouvoir aller chercher 200 à 200 kilomètres. Oh, voilà. Incroyable, incroyable. C'est dans la Bible, tout ça. Bon, alors, là aussi, c'est une réflexion personnelle et qui n'engage que moi, mais et de quelqu'un qui n'est pas dans le dogme. Mais c'est très difficile de concevoir un Dieu qui rentre dans des détails aussi insignifiants. C'est la réflexion que je me suis faite. Je ne veux pas manquer de respect aux croyants, mais ça me semble tellement insignifiant d'aller jusqu'à préciser la largeur des agrafes qui attachent la tente, qui couvrent l'Arche d'Alliance. Je me dis, ça, pour moi, ça ne peut venir que d'un homme qui s'est dit « je vais tout rédiger » de quelqu'un d'assez pointilleux. Il y a une chose, c'est que tout ça, ça constitue une architecture de rituels qui organise la vie de manière extrêmement codifiée. Le monde juif, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Quelqu'un qui... Je crois qu'il y a 450 préceptes juifs dans la journée, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Tout est indiqué. Et ça, c'est très commode parce que c'est ne pensez pas, les règles s'en chargent pour vous, quoi. Voilà. Et il y a une notion, je crois qu'on... C'est quelque chose que j'ai commence à comprendre en lisant votre livre, il y a quelque chose qui est très important dans ce dogme-là, c'est les notions de pur et d'impur. Ah oui, et tout est régi selon ce code pur-impur qui est notre vision à nous du bien et du mal. Oui, mais ça s'est trouvé dans un nombre considérable de religions, c'est pareil. Mmh. Voilà. Avec des notions de pureté très différentes. Et là-dedans, sur cette page, si vous l'avez à l'écran, on voit les pharisiens qui, justement, pensaient qu'ils étaient purs parce qu'ils appliquaient les règles. Et c'est le Christ qui va bouleverser tout ça en disant « ça suffit, c'est pas comme ça que ça marche bon. ». Et il y en a un autre qui accompagnait le Christ, alors c'est la prochaine vignette, elle est tirée du livre donc, « Jésus de Nazareth », donc c'est une adaptation du Nouveau Testament, et c'est la vignette numéro 11, et cette fois-ci c'est Jean qui intervient. Alors Jean, si je me trompe pas, c'est le cousin de Jésus, ouais, ou oui. un cousin éloigné. Oui, cousin éloigné, voilà, et
Bon, c'est la rencontre entre Jean et Jésus est assez extraordinaire. Vous savez, il y a une série qui a été faite, une série filmée. Est-ce que c'est Jésus de Nazareth? C'est Zeffirelli, le réalisateur italien Zeffirelli qui a fait ça. Et là-dedans, je ne sais pas si vous connaissez ces cassettes ou ces CD, les plus grands acteurs du moment ont participé. C'est extraordinaire. Vous avez James Mason qui joue un pharisien, par exemple. Vous avez des acteurs de western, des gens extraordinaires. Et ils ont, c'est vraiment, je crois qu'il y a une distribution où il doit y avoir une cinquantaine de vedettes de l'écran, quoi. C'est extraordinaire. Et justement, là-dedans, le personnage de Jésus est très, très bien joué. Très bon. Alors moi, je me suis pas mal inspiré de ce film, j'avoue, qui est très bien fait. D'accord. C'est bien de savoir quelles sont les influences. Et avec Jean et Jésus, forcément, puisque c'est comme Jésus qui est au centre de tout dans ce Nouveau Testament, Jean, lui, il apporte une vision nouvelle, puisqu'il fait comprendre que le comportement est plus important que le rituel. C'est ce que nous dit le petit escargot sur la vignette. On retrouve dans l'évangile de Luc, donc de la bouche de Jean, si quelqu'un a deux tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. C'est une notion nouvelle qui apparaît, qu'on ne retrouvait pas chez les prophètes de l'Ancien Testament, sauf erreur de ma part, cette notion qu'on retrouve beaucoup dans le dogme catholique du Non. partage, de la Ça, charité, etc. on trouve ça dans certains textes égyptiens. Il y a des tas comment dire, de papyrus où il y a des pères qui indiquent à leurs enfants qu'il faut vivre en étant généreux, en respectant autrui, tout ça. Ce n'est pas une idée neuve, disons. Voilà. Seulement ça apparaît, ça disparaît, on ne sait pas très bien pourquoi. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a des influences qui sont antérieures au texte que l'on cite. Il faut se rappeler d'une chose aussi étonnante, c'est que vous vous rappelez qu'à un moment, entre le moment où le Christ visite le temple de Jérusalem quand il a une dizaine d'années, et puis l'époque où il a 30 ans et il intervient dans la vie publique, ben il disparaît, on ne sait pas très bien où il est passé, quoi. Est-ce qu'il est passé en Égypte? Est-ce qu'il... On ne sait pas. Certains parlent de la fameuse école des mystères égyptienne et d'une initiation en Égypte, mais là, ce ne sont que des supputations. Absolument, absolument. Quelque chose qui change aussi entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est pas pour faire. Alors le but ce soir, c'est pas de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Les catholiques sont mieux, les chrétiens sont mieux que les juifs, etc. Il n'est pas question de jugement de valeur ce soir. Mais on voit une notion qui, elle, apparaît tout de suite au début de l'Ancien Testament, c'est la notion de peuple élu. C'est-à-dire que Yahvé choisit à travers Abraham, choisit un peuple, lui promet une terre promise, qui est Israël, et tout ce qui, tout, toutes les informations sont à destination de ce peuple, et Dieu vient en aide à ce peuple, et uniquement à ce peuple. Et ça, il y a même quelques prophètes de l'Ancien Testament, le fameux Ésaïe dont on parlait tout à l'heure, qui remet ça en cause et qui ouvre un peu, qui élargit un peu cette notion de peuple élu et opposée à une version un peu plus universelle de la parole divine. Parce que peut-être que les gens qui regardent cette émission ne le savent pas, mais l'histoire débute par le fait qu'Abraham habite dans une ville de Mésopotamie et tout d'un coup, il a une sorte de révélation sur sa mission et il arrive justement à proximité de la Palestine et à ce moment-là, Dieu lui dit, ce pays, je t'en ferai cadeau, il y a du monde. Donc, l'implantation des Juifs s'est faite par une conquête. C'est comme ça. Ceci dit, encore une fois, beaucoup de peuples ont fait de même, mais c'est ce qui se passe tout au long de l'Ancien Testament, c'est la conquête d'un territoire et les guerres qui vont avec. Voilà. Mais Ésaïe, moi, celui-ci m'a marqué. Alors sur cette planche, c'est la 12, il y a ce texte, là j'avoue, je n'y comprends plus rien. Ésaïe voit maintenant Dieu rassembler toutes les nations et toutes les langues. Il prendra parmi les fils de l'étranger comme prêtre du temple. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous citiez cette phrase.
extraordinaire. Et ça c'est ancien, quoi. Je veux dire, c'est bien avant Salomon, bien avant tout ça. Oui, C'est-à-dire... c'est-à-dire que Ésaïe, on ne le retrouve pas à la fin, juste avant Jésus-Christ et l'avènement de la chrétienté. C'est en plein milieu de la saga, je reprends ce terme, excusez-moi pour ceux que ça choque, de la saga de l'Ancien Testament. Mais Isaïe, c'est presque le Christ juif, quoi. C'est curieux. Il y a un peu de Il a ça. Il y a un peu de un ça. discours très christique, oui. Parce que là, non seulement il ouvre à toutes les nations et toutes les langues, c'est relativement clair, mais en plus, il est prêt à confier le dogme, qui est jusqu'ici réservé aux Lévites, aux fils de l'étranger. Ah, oui. Alors après, quand je vois, quand on se met à la page suivante, là, il y a une époque justement où Esdras découvre des rouleaux de la Torah dans les murs des ruines du temple quand ils sont revenus après leur déportation. Et à ce moment-là, ils découvrent toutes les règles du Lévitique. Et à ce moment-là, il y a une marche arrière toute, hein, vous vous rappelez, c'est-à-dire que ils décident d'appliquer les règles strictes. Donc, les hommes qui ont épousé des femmes non juives doivent les répudier, par exemple, vous voyez, tout ça. Oui, et j'en ai l'impression que c'est un peu comme un accordéon, il y a un jeu de va-et-vient, c'est-à-dire que tout au long de cet Ancien Testament, on sent une ouverture une ouverture qui annonce qu'on va retrouver plus tard avec Jésus, et puis des fois ça se referme, et puis ça se réouvre, il y a comme des respirations dans cette histoire. Je crois qu'il faut lire le texte de la page suivante. Je crois que c'est la page 382. Oubliez les paroles d'Isaïe qui avait dit: le fils de l'étranger rebâtiront tes murailles et leurs rois contribueront à tes offices. Incroyable! Tes portes, on les tiendra constamment ouvertes, de jour comme de nuit. Elles ne seront jamais fermées pour qu'on introduise chez toi la troupe des nations et leurs rois mis en colonne. Dans le temple, carrément. Je viens pour rassembler toutes les nations et toutes les langues. Oui, je mettrai au milieu d'elles un signe. J'enverrai des frères vers les habitations, les habitants des terres lointaines qui n'ont jamais entendu parler de moi, et ils annonceront ma gloire parmi les nations. On amènera tous vos frères de toutes les nations jusqu'à la sainte montagne Jérusalem, et même parmi eux, je prendrai des prêtres. Donc là, c'est Ésaïe, c'est pas le Christ qui parle. Et c'est extraordinaire. C'est pour ça que ça vaut le coup de mettre ça en évidence. Et à ce moment-là, allez voir la Bible. Vérifier. Et alors là, c'est pas le Christ, mais c'est Jean, donc père du Christ. Vignette suivante. Cette fois-ci, c'est Jean qui dit, je vous le dis, des pierres voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc là, il choque les pharisiens de manière assez provocante. Et le petit escargot qui nous le dit, une image forte pour faire entendre aux pharisiens que le fait d'être de sang juif n'est pas en soi un gage de salut. Annonce l'universalisme christique. Cette fois-ci, dans le Nouveau Testament, il n'est plus question de peuple élu, on passe sur une parole universelle et qui concerne chacun qui veut prêter attention à ces paroles-là. C'est la grande nouveauté du Nouveau Testament, quoi. Il faut le signaler, quoi. Vraiment, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de religions qui... Si, bon, c'est sûr que la religion musulmane a aussi cette prétention d'universalisme, mais de manière assez autoritaire, quand même. Hein. Est-ce Voilà. que la chrétienté ne l'a pas été aussi? Oh oui, pas mal. Hein, je crois que, en fait, N'a rien envié de ce côté-là. j'ai envie de dire, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre pour ce qui est de la force coercitive, une thématique à la mode en ce moment. Alors, on a une question sur le chat. Il y a Jean-Paul qui nous dit, c'est vrai cette histoire sur David, donc David qui arrive après Salomon dans l'Ancien Testament, qui aurait envoyé son meilleur soldat se faire tuer pour se taper sa femme. Absolument. Il y a une histoire comme ça. Encore une histoire de, ouais, une histoire de cul, pardonnez-moi. David qui est sur sa terrasse et qui voit une femme très belle qui s'appelle Bethzabée, et c'est la femme de Uri qui est un de ses soldats. Et à ce moment-là, ah oui, alors le truc c'est que Uri fait la guerre pour David, d'ailleurs il est en campagne, et David saute la femme et il la fout enceinte. Et quand il s'aperçoit qu'elle est enceinte, il est emmerdé. Donc à ce moment-là, Uri vient en permission et David lui dit, pourquoi tu vas pas avec ta femme? Pour qu'il couche un peu avec, pour lui faire porter le gosse. Exactement. Hein. Et Uri dit, mais selon les préceptes juifs, on ne doit pas avoir de rapport sexuel quand on fait la guerre. Et David dit, merde. Et à la fin, il dit à son chef de guerre, mets-le devant quand on attaquera une forteresse, et quand les traits arriveront, vous retirez en arrière. Effectivement, il est tué.
Et il est tué, et le prophète de l'époque dit à David, ce que tu as fait, c'est horrible, quoi, c'est tout. Et à ce moment-là, il a un enfant avec Bathsabée, et cet enfant meurt. Il est puni de ce côté-là. Oui, David jeune, tant que l'enfant n'est pas mort, David jeûne pour se racheter Ah auprès du oui. Seigneur. Et puis dès que l'enfant passe à trépas, David retourne faire banquet et se mange goulûment à nouveau. Et à ce moment-là, je crois que quelqu'un lui dit, mais comment se fait-il que tu tapes la cloche maintenant? Bah, tant que l'enfant était encore vivant, je pensais qu'il pourrait se passer quelque chose, mais maintenant qu'il est mort, ça n'a plus quoi d'intérêt. Carrément, voilà. Et ça, c'est C'est très toujours cru. pareil. Allez, regardez dans la Bible, quoi, c'est tout, voilà. Vérifiez dans les textes. Ben c'est ce que disait ce que vous nous rapportiez sur votre voyage à Jérusalem. Tout est dans les textes. Il faut les lire. Absolument. Il Il faut faut les aller. lire. Sur cette question d'universalisme, on va finir sur une dernière vignette sur cette thématique-là. C'est les pharisiens qui rapportent ce que dit Jésus. Donc ça c'est la vignette 15. Et Jésus, en retournant vers la foule, a dit: En vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les héritiers du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Là, il ne se fait pas des amis auprès de la communauté juive, d'ailleurs, communauté qu'il a amené à être. Qui a réclamé son châtiment, puisqu'il finira crucifié, puisque non seulement il ouvre la clémence, la lumière divine aux autres peuples, mais il passe aussi le message qu'ils pourront aussi être mieux vus de Dieu que le peuple élu. Surtout à un soldat romain, au centurion. Et là, c'est Ernest Borgnine, l'acteur qui joue ça dans le film Misère Inferi. La scène est extrêmement émouvante. Justement, à un moment, il y a un soldat romain qui vient trouver le Christ et il a un de ses serviteurs qui est malade. Et il est très malade, il va très mal. Et à ce moment-là, il vient trouver le Christ et lui dit, moi, je suis chef d'une phalange de soldats. Quand je dis à un soldat, tu fais ceci, il le fait, etc. Mais là, mon serviteur est malade et il lui dit, je sais que si tu viens, il sera guéri. Il a la foi. Et ça, c'est émouvant, vraiment. Cette scène cinématographique, c'est un grand moment de cinéma, je trouve. C'est vrai que c'est le film de Thierry Fellini, il est prenant. C'est le titre de ce film, quel est-il? Je sais plus, Jésus de Nazareth, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Je crois que c'est ça. Mais c'est merveilleux comme truc. C'était très bien fait. Donc là, on a vu un peu l'évolution rapidement. Hein. Alors, ce soir, on peut pas vous résumer le contenu de 400 pages sur 6... 400 pages qui reviennent sur 2000 pages. Donc, nous, on essaie de faire encore plus court, plus condensé ce soir. Donc, on survole ces thématiques, en espérant vous donner envie de lire ça. Et comme l'a dit Jean-Pierre, la BD dans une main et la Bible originale dans l'autre, pour pouvoir vraiment comprendre qu'il y a pas, y a un peu de subjectivité, forcément, en choisissant une partie des textes, en dessinant, mais pas tant que ça. Et on poursuit, on va s'intéresser maintenant un peu plus à l'aspect métaphysique, on en parlait tout à l'heure. Mais avant ça, quelque chose qui m'a laissé sur le cul, c'est on retrouve dans l'Ancien Testament une description de Dieu. Une description physique. On va parler métaphysique, mais là on est bien dans la matière, on est dans le très matériel. Description physique, on retrouve ça dans Daniel, qui nous dit: Je vis un vieillard assis, son vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine nettoyée. Son trône était en flammes avec des roues en feu ardent. Le tribunal siégea et les livres furent ouverts. Et voici que des nuées du ciel venaient comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout le peuple, nation et langue le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas. Sa royauté ne sera jamais détruite. Et là, on a la représentation qu'on souhaite dans nos sociétés modernes classiques, qu'on veut imaginer Dieu, cet homme barbu, déjà une vision anthropomorphe. C'est-à-dire que bon, si Dieu nous a créés à son image, ceci dit, il y a une certaine logique. Mais ce barbu assis sur le bord de son nuage avec ses longs cheveux blancs. C'est quand même assez incroyable de retrouver ça dans un texte sacré qui se veut métaphysique. Mais dans la Bible, c'est unique. Dans les 2000 pages, il n'y a que ce texte-là. C'est le seul moment où il y a une description. C'est assez amusant. Alors effectivement, on peut se demander si ça a joué. Quand même. Oui.
J'ai trouvé ça assez incroyable. Limite, je me suis dit, c'est pas à sa place, c'est pas possible, il faut aller vérifier. Y a pas... Par exemple, il y a une chose dans l'histoire de Tobit, vous vous rappelez que, y a un personnage qui monte aux cieux avec des ailes. Et on peut penser que c'est peut-être ça qui a donné naissance à l'image des anges. C'est assez rigolo. Sachant que les anges, il y avait déjà cette notion des chérubins. Qu'on retrouvait chez les Assyriens, chez les Babyloniens, les Assyriens, et avec l'avènement de la parole de Moïse, d'Abraham, qui rapporte la parole de Dieu, toutes les pas les icônes, les idoles sont désormais interdites. On se rappelle de cette fameuse scène du veau d'or. Le principe d'Abraham, tout de suite, c'est il ne faut pas faire d'icône, mais il y a des chérubins sur l'Arche d'Alliance. Qui sont directement inspirés des traditions qui les ont précédées. Assyrienne complètement, voilà. Assyro-babylonienne. Voilà. Et là encore, il y a encore un immense paradoxe. Ça rejoint, c'est aussi fort que le tu ne tueras point et on va vouer à l'interdit des dizaines de populations. Et puis là, il y a cette interdiction de représenter les idoles. Et puis sur l'objet le plus sacré, l'Arche d'Alliance, qui contient les textes de la loi divine, on retrouve la représentation des deux chérubins. Absolument. Voilà. Il y a quand même certaines choses qui sont difficiles à comprendre. Peut-être que des scientifiques au sens religieux du terme auraient une explication à tout ça, certainement. Mais moi, je trouve ça surprenant. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la métaphysique. Oui. Un des grands personnages de l'Ancien Testament, on a vu, il y avait Isaïe quand même, qui est assez incroyable, mais un qui se démarque quand on lit tout ça, c'est Salomon. Le Oui. fameux Salomon qui a érigé le temple de Salomon à Jérusalem. On est face à un homme hors du commun avec lui. Absolument, absolument. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau dans cette saga? Ben, d'abord, il arrive à se distancier par rapport au message divin. Il y a tout de suite un prêtre qui est Sadoc qui commence à lui dire Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Et Salomon le remet gentiment à sa place en disant écoute, tu vas faire tes sacrifices, tu égorges tes tourterelles, tes moutons, mais tu me fous la paix. Hein? Et d'ailleurs, il fait la chose suivante, Salomon, c'est qu'il dit Dieu m'a parlé la nuit. Il y a un texte justement que vous trouverez où il dit bah, Dieu m'a raconté ceci, cela. Alors là, à ce moment-là, le prophète est complètement squeezé, quoi. Après, vous verrez dans les textes, il contrevient complètement à la loi de Moïse. Il épouse toutes les femmes possibles et imaginables. Il commence par épouser la fille du pharaon, une égyptienne. Il l'installe à Jérusalem. Il met des temples pour les différentes religions. Ah, Oui, plus il de... est. Ah oui, incroyable. C'est le précurseur de la laïcité. Mais non, mais Yahvé ne dit rien. Yahvé ne dit rien. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, il fait tout à l'envers. Mais. Le résultat, c'est que le pays est en paix. C'est tout. Il n'y a pas eu de guerre. Oui, c'est une des périodes de l'histoire du peuple hébreu où il n'y a pas de guerre, pas de massacre. Et c'est le moment où Israël est le plus grand, quoi. Il s'est étendu dans tous les coins. Et simplement, c'est la fin. Je crois que c'est la vignette suivante qui nous montre. Quand tout d'un coup, Salomon, sans doute, il doit s'apercevoir qu'il est malade, qu'il va mourir. Il est sur Parce la que fin de sa vie. Oui. quel âge il meurt, mais je crois que c'est 45 ans. Il n'est pas très âgé, quoi, par rapport à des personnages qui arrivent comme Mathusalem, qui meurt rassasié de jour. Lui, il n'est pas rassasié de jour du tout. Et il va mourir et il n'y a aucune réponse. Regardez les textes, voilà. Personne n'a de pouvoir sur le souffle vital pour retenir ce souffle. Personne n'a de pouvoir sur le jour de la mort. On sent bien qu'il est résigné, mais ça c'était le cas de tous les hommes, mais que ça l'embête. On sent que. Regardez ce qu'il dit là, par exemple. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Pour eux, il n'y a pas de rétribution, parce que leur souvenir est oublié. Il n'y a ni œuvre, ni bilan, ni savoir, ni sagesse dans le séjour du mort où tu iras. Alors la question, c'est qu'est-ce que c'est le séjour des morts? C'est pas tellement décrit dans l'Ancien Testament, il n'y a pas grand-chose. En fait, c'est le Sheol. Le Sheol, c'est un monde souterrain. Les seuls moments où le Sheol est évoqué, c'est lorsque Saül évoque le prophète Samuel en le faisant monter, parce qu'il y a ce qu'on appelle les nécromanciennes. Les nécromanciennes, ce sont des personnes qui invoquent les morts
pour les faire parler, quoi. Et à un moment, Saül est un petit peu perdu parce que Samuel est mort et il invoque Samuel et Samuel montre du féol et lui dit tu m'as dérangé et puisque tu as fait ça, tu perdras ta royauté. Mais simplement, bon, quand on cherche un peu dans la biographie, on s'aperçoit que le monde des morts de l'Ancien Testament, il s'y passe rien. En particulier, on ne célèbre pas Dieu. C'est un monde poussiéreux, quoi. C'est curieux. Vous savez, il y a différence. Il y a le monde des morts, des Vikings, par exemple, qui meurent. Pour eux, c'est formidable. Vous vous rappelez le Le Valhalla? Valhalla, oui, il y a, Et même si on est mort, le lendemain, on ressuscite. Voilà, c'est Oui, très il y a une hollywoodien. vision de l'après-vie qui n'est pas le néant absolu. Là, on le voit dans la vignette, là aussi, un texte tiré des textes sacrés. Tout va vers un lieu unique, tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Et il y a notre pélican qui nous dit, rappelons-nous qu'à ce stade de la Bible, le service après-vie n'a pas encore été inventé, la mort n'est pas un état enviable, c'est tout. La perspicacité de Salomon n'apporte aucune réponse à la question du devenir après la mort. C'est-à-dire que Salomon s'interroge là-dessus, on voit que ça le travaille, mais sous Salomon, on n'a pas encore cette notion métaphysique de ce qu'il advient de nous après la vie matérielle. Et on voit que ça apparaît peu à peu. Cette idée de l'après-vie apparaît. C'est très intéressant de voir ça parce qu'on voit cette conception de l'après-vie qui se génère au fil des pages. Hein, c'est seulement à la fin de l'Ancien Testament qu'on commence à voir des choses plus élaborées. Mais ça nous fait réfléchir sur les conceptions des anciens Égyptiens. Là, on nous rebat les oreilles avec les momifications des pharaons, mais en Égypte, tous les gens qui consacraient les trois quarts de leur revenu à se faire momifier. C'est incroyable. Cette idée que, en fait, la vie n'est qu'un passage vers un état beaucoup plus enviable qu'à l'après-vie. L'après-vie chez les Égyptiens était très importante. Chez les Hébreux, on n'en parle pas, quoi. Vous voyez? Et pourtant, elle revient sur la fin de l'Ancien Testament. Et Tout à fait. c'est étonnant, puisque tout à l'heure, on a vu les influences sumériennes, assyriennes, babyloniennes, égyptiennes sur les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais cette idée de cette vision métaphysique de l'après-vie, elle a été squeezée pendant des milliers d'années, enfin des milliers, pendant pas mal de siècles en tout cas. Et sur la fin, donc, Israël est occupé par les Grecs. Oui. Et là, il y a ces deux planches qu'on va voir, où il y a des massacres de populations hébraïques, juives, Ça, c'est par les Grecs, et qui, à eux, 300 acceptent le martyre. la date, c'est vers 300 Jésus-Christ, lorsque justement le pays est conquis par Alexandre le Grand et qu'il laisse ses généraux, Lagos donc il y a l'Agide, je ne me rappelle plus quels sont les noms. Et à ce moment-là, les Juifs se révoltent, et c'est la révolte des Maccabées. Et les Grecs essayent de mater cette révolte, et c'est là que un des Juifs dit, pour toi, il n'y aura pas de résurrection à la vie. Ça, c'est dans le texte des Maccabées. Ce mot, résurrection à la vie, c'est extraordinaire. Donc, ce n'est pas le Christ qui invente cette idée, c'est déjà dans l'Ancien Testament. C'est curieux. Et on voit que des notions qui sont quand même centrales, capitales, dans un dogme religieux, n'apparaissent pas tout de suite. C'est-à-dire que quand Yahvé communique à Abraham et à Moïse les textes de loi, il leur communique pas sur ces infos-là qui sont quand même plus importantes que de savoir si la toile de tente qui abrite l'Arche d'Alliance sera en peau de dauphin. Et oui, c'est curieux, les points de focalisation de l'intérêt sont différents suivant les époques, quoi. Et là, regardez, vous avez une mère qui dit à son fils, ne crains pas le bourreau, mon fils, mais en te montrant digne de tes frères, accepte la mort afin que je te retrouve avec tes frères au temps de la miséricorde. Donc ils vont se retrouver. Donc il y a un devenir après la mort et au temps de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dans l'Ancien Testament. Et alors si je reviens sur la vignette juste avant, juste pour remettre en contexte encore une fois et pour montrer qu'on ne s'acharne pas spécialement sur le peuple hébreu et les massacres perpétués par le peuple hébreu au nom de Yahvé, parce qu'on se rend compte que les Grecs par exemple, on retrouve dans Maccabée, il est dit, les livres de la loi qu'on trouvait étaient jetés au feu, bon ça, toutes les civilisations ont cherché à effacer les traces des autres, ceux chez qui on trouvait de tels documents étaient mis à mort, les femmes qui avaient circoncis leur enfant étaient tuées et les nourrissons pendus à leur cou.
leurs Oui. proches et ceux qui avaient opéré les circoncis étaient également mis à mort. Donc on voit bien que c'est d'époque, hein, et que les Grecs, tout aussi en avance sur leur temps que qu'ils soient, avaient aussi des pratiques qu'on qualifierait de barbares aujourd'hui. Je dis, la Convention de Genève n'avait pas encore été inventée, quoi, c'est sûr. Mais C'est alors, là qu'on se rend compte que la civilisation. Bon, y a quand même quelques défauts en route, mais on vit dans un monde plus civilisé. au début de l'Ancien Testament, j'ai fait une sorte de petit résumé sur ce qui se passait à l'époque, et il y a le texte d'un roi assyrien qui raconte qu'il a fait égorger 2000 hommes, et les autres, il a fait ci, je les ai fait empaler. Enfin, c'est effrayant, quoi. Les Assyriens écorchaient les peaux de leurs ennemis pour les mettre sur les murailles, quoi, vous voyez? C'est ça, quoi. Ça paraissait normal. On est quand même content de vivre au 21e siècle, même si c'est compliqué. Et là arrive un personnage. Donc là, on va passer maintenant un peu plus sur le Nouveau Testament. Donc on retrouve. Hop, zut, j'ai. Voilà, j'avais perdu mon écran. Qu'on retrouve sur cette deuxième BD qui est intitulée Jésus de Nazareth, qui reprend le Nouveau Testament avec l'histoire de Jésus, des apôtres. Et Jésus, alors lui arrive et c'est le titre que j'avais donné à cette thématique-là. Il casse les codes. Il arrive tel un éléphant dans un magasin de porcelaine. Toujours Et ça. il met tous en dessus dessous. La première vignette, donc c'est la numéro 20. On parlait tout à l'heure de cette notion de pureté, impureté qu'on retrouve très codifiée dans la pratique hébraïque. Et lui, Jésus, il arrive et il nous dit, écoutez-moi tous et compreniez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. En gros, la foi est devenue quelque chose d'intérieur et pas dans les pratiques rituelles. Absolument. Rien de ce Oui. qui ne pénètre de l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans la fosse. Tous les aliments sont purs, donc lui, il est clair qu'avec Jésus, on peut manger de tout, quel que soit le mode de cuisson ou autre. C'est Pas de besoin l'in. non plus, y compris le sabbat, quoi. Oui, il n'y a plus toutes ces règles. C'est de l'intérieur du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et il rend l'homme impur. Et là, on a un pharisien qui dit, il parle contre la loi de Moïse. Bah oui, forcément, en arrivant et en disant ça, il n'allait pas se faire des amis, il remet tout en cause. Oui. Jésus, bah on le voit sur la planche suivante avec les pharisiens. Ah oui. Alors là, c'est pas des textes issus des textes sacrés, c'est vous qui les avez mis en bulle, mais ça résume bien le sentiment. Ces scènes-là, elles sont dans le film de Zeffirelli, franchement. Même les dialogues, je lui ai piqué, je les ai empruntés. Quand il y a un pharisien qui dit ces paroles sont de nature à troubler les hommes, nous avons le devoir de guider, c'est comme ça dans le film. C'est très parlant. Voilà. Ben, moi, dans cette phrase, je lis un peu, on va perdre l'ascendant sur notre troupeau, quoi. Oui, mais il n'y a pas que des coincés. Il y a Joseph d'Arimathie qui est troublé, quoi. Mais c'est extraordinaire, les rencontres entre ce pharisien et Jésus, là. Quand Jésus lui explique qu'en fait, il y a une vie éternelle, le type ne comprend pas. Mais comment pourrais-je renaître à nouveau? Il faudrait que je repasse par le ventre de ma mère. Oui, c'est le mot, la technique, quoi. Ah ben. Comment? Ouais, c'est vrai, cette espèce de survie après la mort, pour les pharisiens, c'est une nouveauté complète. C'est vrai que, voilà. Ben quand on voit quelque chose de nouveau comme ça, il faut essayer de l'assimiler, de le conceptualiser. Bah oui. En tout cas, Jésus remue ça, même si, comme on l'a montré tout à l'heure, Isaïe avait commencé à initier ces concepts-là et il les avait abordés en tout cas. Et autre chose, cette fameuse loi du talion qu'on retrouve dans les textes hébraïques, cette fameuse loi qui dit œil pour œil, dent pour dent, et ben là Jésus aussi dit, le fameux Jésus, on connaît tous cette phrase, si quelqu'un te tape, tends l'autre joue. Et là Jésus dit aux Zélètes, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites le bien sans rien espérer en retour. C'est une révolution dogmatique. Mais vous voyez,
Je me rappelle un jour, je suis passé dans une interview avec un curé en soutane, qui était très sympa d'ailleurs. Et il avait l'ancienne version, il avait lu ça, ça l'avait passionné. Il me dit, mais c'est pas possible, pour avoir écrit un livre comme ça, vous êtes forcément croyant. Alors c'est vrai, la question qu'on peut se poser, même on peut vous poser la question à vous, Guillaume, est-ce que vous êtes croyant? Comment vous vous situez par rapport à ça? Moi je dirais, j'ai quelques idées, je pense qu'il y a une vie après la mort, quoi, ça. Bon, c'est comme vous avez vu, on fera une émission là-dessus, puisque c'est dans le métaphysique. Mais pour moi, c'est plus qu'une croyance, c'est une sorte de suite logique, quoi. Je pense que l'annihilation de l'individu après la mort, c'est absurde. Je le pense aussi, Voilà. mais là on parle, là on est plus dans une démarche de spiritualité, j'ai envie de dire, que de religion, dogmatique. C'est-à-dire, être ouvert à l'idée d'une vie après la mort n'oblige pas à intégrer tout un corpus dogmatique et à le figer sur notre vie dans la matière. C'est Oui, comme ça la que je le croyance à la conçois. mort est le principal phénomène paranormal que nous sommes amenés à vivre. C'est un Pardon? phénomène, c'est le principal phénomène Ah paranormal ben. que nous sommes amenés à vivre. C'est comme une naissance, mais là, disons que tout d'un coup, un individu va perdre sa conscience, ça va devenir un paquet de cellules en pourrissante, c'est tout, c'est fou. Ça, c'est un phénomène. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Et effectivement, bon, bah, dans ce livre, on voit d'ailleurs, c'est assez curieux, c'est que dans l'Ancien Testament, ça, la question ne se pose même pas. Ils s'en préoccupent pas. Non, c'est oui, c'est la question des questions n'est pas abordée. Alors que Voilà. c'est ce qu'on attend d'une religion, qu'elle apporte des éléments de réponse à ces questions métaphysiques. Et ça, c'est le Christ pour qui c'est très important, qui apporte cette réponse, quoi. Ben, justement, on y arrive sur le Christ. Là, il est avec Matthieu. Il est avec Matthieu. Et Matthieu lui demande, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc ça, c'est la Ça sera... 23e image. Vous vous rappelez que Matthieu était un collecteur d'impôts. Hein. Pour les Juifs, c'est le type qui pillait l'argent de leurs frères, quoi. Matthieu. Hein. Ah, il était mal vu, lui. Il est très mal vu, quoi. Et donc, il demande au Christ, qu'est-ce que je dois faire? Et le Christ lui dit, ben voilà, donne tes biens aux gens, fais le bien autour de toi, quoi. Voilà une idée qui est très bouleversante, parce que c'est pas l'Ancien Testament où on trouve ça. Et alors oui, mais par contre, Jésus, sur cette vignette-là, lui dit, garde les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, enfin tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a la base qu'on retrouve dès le début de l'Ancien Testament, ces fameux 10 commandements, il les intègre dans sa vision spirituelle. Jésus est juif et il est circoncis. Il ne faut pas Il l'oublier, oui. est issu de cette tribu juive. Donc, lorsqu'il parle, il emploie le langage de l'époque. Ben oui, c'est. Ça semble assez logique. Mais il amène un élément nouveau, qui est ce qu'on retrouve chez certains religieux chrétiens, qui est le fameux vœu pas de chasteté, de pauvreté, pardon. Il y a la phrase qu'on voit tout en bas, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, etc. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais ça, après, dans les psaumes, Paul et Pierre ne sont plus tellement de cet avis, quoi. Pardon. On va y revenir sur Paul et Pierre, mais là aussi, en essayant d'être sans jugement, je me mets à la place de quelqu'un qui croit et qui pratique le dogme chrétien, et qui est fortuné. Et le Christ, je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est pas le propos, mais le Christ dit clairement, il va être plus facile à un chameau de passer dans un trou d'aiguille qu'à quelqu'un de fortuné d'accéder au paradis. Mais moi, vous savez, il y a des gens extraordinaires. J'ai entendu à la télévision ces jours-ci le garde des Sceaux, là, je ne sais plus comment il s'appelle. On a découvert qu'il avait une Bentley, qu'il avait Ah, des. Monsieur Dupont-Moretti. Dupond-Moretti, et il a dit qu'il était de gauche. C'est extraordinaire. Il a vraiment la fibre socialiste, quoi. Ouais. Mais De ça. gauche pour les autres. Voilà, c'est ça. Je pense pas que on arrive, en étant issu d'une condition assez modeste, à faire une fortune pareille à son âge en ayant défendu la veuve et l'orphelin. C'est plutôt en ayant défendu les grandes entreprises, quoi, je crois. Voilà.
Je ne sais pas si M. Dupond-Moretti pratique le dogme chrétien. Faudra s'enseigner, mais en tout cas, bon, ben là, Jésus pose des bases claires. Le vœu de pauvreté, en gros, il faut partager. Une sorte de communiste ou de socialiste avant l'heure, notre ami Jésus, il faut tout partager à parts égales. Et C'est c'est là-dedans que vous trouverez le bonheur et le salut éternel. le premier communiste, je n'en ai pas trop peur. Une autre notion qui apparaît avec Jésus, c'est la notion d'enfer et de paradis, puisque apparaît cette notion de vie éternelle, de résurrection, Ah de oui, exact, et exact. puis il et ben, y a quand même qu'est-ce que notre partie immortelle, où est-ce qu'elle va après la vie dans la matière? Et là Jésus commence, enfin commence, Jésus apporte des éléments là aussi sur l'après-vie et cette notion d'enfer et de paradis. Il y a une punition post-mortelle, justement. Mais cette punition post-mortem, elle était aussi dans la religion égyptienne. Rappelez-vous que lorsque l'homme arrive devant son juge, on pèse son cœur et il faut qu'il soit aussi léger qu'une plume, sinon il y a une bête qui le dévore. Vous vous rappelez de ça? Donc, mais dans la religion juive, on pourrait se dire, mais quel est l'impératif moral? Puisque ce n'est pas la punition post-mortem, qu'est-ce qui empêche de faire le mal? Eh bien, à ce moment-là, parce qu'on pourrait dire, quelle importance, hein, eh bien, il y a un attachement aux règles. Si on est dans la tribu juive, on suit les ordres de Dieu, sinon on n'a rien à y faire, sinon on n'existe pas. C'est tout. Et à ce moment-là, si on est exclu, disons, on n'a plus de descendance, on devient apatride, on n'a plus de nom, ni rien. C'est très important. Et à un moment, vous avez un chef de guerre qui s'appelle Jephté, dans l'époque archaïque de l'Ancien Testament, qui part en guerre contre les ennemis d'Israël et qui dit, si je suis victorieux, je sacrifierai à mon retour la première personne que je rencontre. Et quand il rentre, eh bien, il y a une jeune fille qui vient avec son tambourin pour l'accueillir, c'est sa fille. Et comme il a juré de mettre la première personne, il est obligé de tuer sa fille. Alors on pourrait se dire, mais voilà un père qui va être obligé d'égorger sa fille. Comment est-ce possible que je sois pareil? Il pourrait se suicider. Non, parce que s'il se suicide, sa faute se remportera sur les générations suivantes. Il y a chez les Juifs, dans l'Ancien Testament, cette notion de transitivité de la faute. On est puni, et quand on pense, par exemple, aux ennemis d'Israël, ils sont condamnés d'âge en âge. Disons que cette condamnation se reportera, et ça commence avec Cham, rappelez-vous, le fils D'Abraham. de Noé. Oui, de Noé, pardon. Noé a trois fils, et à un moment, Noé prend une cuite monstrueuse avec le vin de sa vigne, rappelez-vous. Une fois qu'il est revenu sur Terre après le déluge. Voilà, il est complètement rond et il est tout nu dans sa tente. Et à ce moment-là, un de ses fils, qui s'appelle Cham, rentre et le voit tout nu. Et il rentre en disant aux autres, j'ai vu papa tout nu. Ah! Alors les autres, eux, font la chose suivante, c'est qu'ils rentrent en marche arrière avec le manteau de leur père pour ne pas voir sa nudité. Et ils le recouvrent avec ça. Et quand Noé apprend ça, il dit, puisque vous avez fait ça, eh bien, mon fils Cham, qui m'a vu nu et qui s'en est moqué, eh bien, il sera votre esclave d'âge en âge. Donc ça veut dire que déjà, à l'époque de Noé, il y a des tribus qui sont les deux fils aînés, et il y a le troisième qui sera leur esclave. C'est extraordinaire. Alors là, pour revenir à des choses plus métaphysiques, finalement, est-ce qu'on peut pas se demander si cette fameuse vie éternelle, elle est pas à travers la filiation, justement? Remarque, somme toute, une idée qui m'effleure comme ça, c'est-à-dire que il n'y a pas cette vision de l'individu, de l'esprit un et indivisible en tant que tel, qui va perdurer au-delà de la matière. Mais le fait de transmettre de génération en génération qui fait perdurer et qui est une forme d'éternité. Guillaume, c'est des questions personnelles. Moi, j'avoue, et j'en raconte dans le Métaphysicon, que j'ai quand même eu pas mal d'expériences sur mes vies antérieures. Disons que le fait que j'ai eu plusieurs vies antérieures que je connaisse, ça explique la variété de mes talents. Comme D'accord. disait. Ah, c'est là-dedans qu'on trouverait l'explication à l'homme Alors, orchestre que vous êtes.
Ben oui, regardez, quand je vais en Égypte, je suis chez moi, etc. Voilà, bon. Et j'avais une ancienne amie qui me disait, vous êtes combien là-dedans? C'est un peu ça, quoi. Bah Donc, oui, c'est oui, on a l'impression que vous avez eu 50 vies dans oui. celle-ci. Oui, enfin, ouais, une bonne demi-douzaine, avec des souvenirs très, très marquants, des connaissances marquantes. Donc, moi, je me fais la réponse, le raisonnement suivant. Si on a 10 vies antérieures, c'est qu'on aura des vies postérieures. C'est logique. Hein? Là, la notion de réincarnation. Vous parliez du métaphysicon, je le montre quand même, et Oui. j'en profite parce que forcément, on va en parler du métaphysicon, mais pas aujourd'hui, parce que c'est une émission de 8 heures qu'il nous aurait fallu si on avait voulu faire Ah. les 3 livres, et que 8 heures, ça fait beaucoup, même pour moi, c'est à Nora qu'il faut demander les émissions marathon. Moi, vous savez, les amis, au bout de 2 heures, je commence à piquer, même si mon intervenant est le plus intéressant du monde. Le métaphysicon, on va y revenir, ça sera le 23 décembre. Ce qui est comique, c'est quelle va être la réaction du monde scientifique face à ça. Parce que le monde scientifique, la science s'arrête au moment de la mort. Quand vous êtes mort, qu'est-ce que font les scientifiques? Eh bien, avec la pharmacothérapie, ils vous accompagnent, vous mourrez le plus confortablement possible. Et alors après, quand vous êtes là, en disant, voilà, je vais mourir dans 10 minutes, qu'est-ce qu'il y a après? Ah ben ça, c'est pas mon rayon. Moi, je m'occupe d'atténuer la douleur, etc., quoi. Bah, la science est un petit peu tolé-boulon, quoi. Voilà. C'est assez marrant. Donc moi, je pense qu'il faut essayer d'apporter des réponses et des théories là où il n'y a pas de théorie du tout. Voilà, c'est tout. D'où ce métaphysicon. Et donc, je vous le dis, les amis, le 23 décembre, on retrouvera Jean-Pierre sur Nuria et on fera une émission entièrement consacrée à ce livre-là. Et je pense que ça, c'est vraiment à ne pas louper. Moi, je l'ai gardé, je vais l'attaquer bientôt, celui-là. Et c'est mon bouquin le plus important Ah bah, de tout ce c'est... que j'ai écrit. Bon, allez, revenons un petit peu à ça. Donc, autrement dit, Jésus apporte cette idée d'enfer, hein, avec cette géhenne où il y a le feu qui ne s'arrête jamais. Voilà. Et puis il y a cette histoire de jugement dernier. Alors là, on est sur la vignette suivante. Il nous annonce, non seulement il annonce un enfer, un paradis, une vie éternelle, mais à un moment, il va y avoir un point d'arrêt. Et à un moment, comme les Égyptiens pesaient l'âme, là, il va y avoir quelqu'un qui va arriver. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire accompagné de tous les anges. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Donc, là, il y a une nouvelle notion qui apparaît, c'est que à un moment, contrairement aux Égyptiens, où les Égyptiens passent à trépas et sont amenés pour peser le poids de leur âme. Mais Là, juste, on stocke juste, ces âmes et puis à un moment on juge tout le monde. là, les internautes et les futurs lecteurs de cette BD pourront vérifier, y compris dans la Bible elle-même, il y a 4 évangiles, mais ils ne disent pas tous la même chose. Et je vois par exemple qu'à propos de cette histoire précise sur quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il séparera les hommes, ça c'est Matthieu. Et Matthieu, c'est lui qui a été aussi à l'origine de la religion catholique romaine. Rappelez-vous. Je ne sais pas si vous avez sélectionné cette vignette, mais elle est extrêmement importante. Quand justement le Christ dit à Matthieu, a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et ce que tu noueras sur terre sera noué dans le ciel, et ce que tu dénoueras sur terre sera délié dans le ciel. C'est extraordinaire parce que ça veut dire que on peut délier, ça c'est la confession, et on peut lier, ça c'est l'excommunication. Donc il y a un pouvoir donné aux religieux qui est phénoménal. Et il n'y a que Matthieu. Et ça, c'est la chose que rejetteront les protestants. C'est Pour ce les qui protestants, créera la base. le schisme entre catholiques et protestants. C'est ça la base. Je veux dire, c'est la phrase de Matthieu. Il est tout seul sur les quatre. Les trois autres n'en parlent pas. Et alors, il y a des contestations parce que le mot église vient de iglesia, et en grec, ça veut dire l'assemblée des peuples. C'est pas un bâtiment, quoi. Ça Donc il y a eu fait une belle différence. une grosse différence. Il y a un autre point qui est marquant et qui est vraiment chez les catholiques. Je ne sais pas si c'est dans les autres courants de la chrétienté comment c'est, je n'ai pas une connaissance infinie et très pointue des textes, il faut bien l'avouer. Tout au long du Nouveau Testament, on entend cette phrase « Jésus, le Fils de l'homme Oui, ». Et ça c'est puis, à un moment,
Alors, je crois que ça s'est passé dans les conciles du côté de l'Église catholique romaine, donc des siècles plus tard, Jésus est devenu fils de Dieu. Comment elle s'est faite cette transition? Comment on est passé déjà, qu'est-ce que ça veut dire, fils de l'homme? Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette expression-là? Ce qui est important, par exemple, il y a quatre évangiles, donc il y a quatre auteurs de ces textes. Et on a tendance à apporter plus de fiabilité quand les quatre disent la même chose. J'en parle. Par exemple, je vois ici à la planche 26, quand vous voyez par exemple les justes auront droit à la vie éternelle, allez-vous-en loin de moi, maudits au feu éternel. C'est encore Matthieu. C'est Matthieu qui profère les punitions comme ça. Les autres n'ont pas ce discours. C'est intéressant. Voyez? Donc ouais, c'est difficile d'apporter enfin du crédit. Encore une fois, il n'est pas question de crédit, là, il est question de foi pour ceux qui suivent ces textes. Mais effectivement, si sur quatre évangiles parmi d'autres qui n'ont pas été sélectionnés pour faire le corpus du Nouveau Testament, s'il n'y en a qu'un qui aborde ça et pas les autres, il y a de quoi se poser des questions. Voilà, mais on est là pour ça. Je veux dire que, comme je dis, le métaphysicon, ce n'est pas la promotion d'une nouvelle religion, c'est des outils pour réfléchir, c'est tout. Voilà. Et là, c'est pareil. Bon, vous savez le problème important, est-ce que le personnage du Christ a réellement existé? C'est une question qui se pose. Et c'est vrai, en tout cas, il y a une chose que j'ai eue comme impression, parce que si on me pose mon expérience personnelle, quel effet ça vous a fait? J'ai été simplement impressionné par la force du discours. Il y a une parole là-dedans qui est d'ailleurs originale. Hein. Cette façon de parler par parabole, c'est phénoménal, quoi. Il y a des textes comme ça qui sont. On comprend que ça a créé tout un mouvement religieux aussi puissant. Alors maintenant, comment se fait-il, bon, pour les musulmans, le Christ était un prophète, tout simplement. Ah, Ça. il fait partie des prophètes de l'islam au même Vous titre savez, que les catholiques. un jour j'étais dans un train de nuit et je discutais avec un voisin qui était un futur prêtre, qui était au séminaire. Et je lui ai dit, est-ce que vous pensez que le Christ était génétiquement compatible avec l'espèce humaine? Bonne question. Ben, oui. Ben, vu le destin qui lui a été réservé dans cette vie-là, on a envie de dire non. Il a guère eu le temps de s'en occuper, quoi, disons. Mais vous voyez, c'est extrêmement parlant, préoccupant, une chose pareille. Maintenant, moi, quelquefois, je me suis posé la question suivante. C'est la question de la place de l'homme dans l'univers. Alors, vous avez vu mes bouquins, comme OVNI, l'extraordinaire découverte, ou Contact cosmique. Dans là-dedans, on est dans l'idée que. En fait, ce qui est commun à tout ce qui vit sur Terre, c'est le fait de communiquer, d'augmenter son champ de communication, et avec des êtres qui sont de plus en plus sophistiqués. Donc, on arrive à une époque où finalement l'homme développe une technologie. Et moi, ce que je dis, c'est que cette technologie, elle est faite pour les voyages interstellaires. Nous sommes à l'époque où nous devons entrer en contact avec nos voisins, et eux, ils le font. Simplement, on utilise ces techniques pour nous entretuer avec. Et il y a des gens qui disent, mais quand est-ce qu'ils arrêteront de jouer au con? C'est pas fait pour ça, quoi. Maintenant, la question qu'on peut se poser, l'homme va donc créer un véhicule pour communiquer avec les autres, mais est-ce qu'il est le passager ou est-ce qu'il est simplement le cocher? Alors, il y a une chose curieuse, c'est quand on prend la biologie, par exemple, ben, regardez la chose suivante, quand les plantes se reproduisent, eh bien, les fleurs créent du pistil, mais ce sont des cellules spéciales, ce n'est pas une feuille d'arbre qui va aller communiquer, vous voyez. Donc, il y a un messager qui emporte l'information génétique. Nous, on a des spermatozoïdes. Est-ce que tout d'un coup, n'apparaîtrait pas une espèce d'espèce suprahumaine qui serait une sorte de, comment dire, de synthèse de toute la culture, qui aurait donc cette espèce de connaissance empathique de toute l'espèce humaine. C'est une idée philosophique assez intéressante. C'est ce qu'on aurait tenté de faire avec ces fameuses capsules qu'on a envoyées comme des bouteilles à la mer dans l'espace. Et vous savez, cette idée-là, moi, je les ai trouvées dans les textes du mythe. La question pour eux, c'est que le Christ, c'est pas. Disons que cette idée de déité, vous verrez dans le métaphysico,
dans le temps, la métaphysique, ça se résumait à la question de l'existence de Dieu. Et moi, j'ai contourné le problème en disant à la fois les dieux existent et n'existent pas. Pour moi, ce sont un peu comme les intelligences artificielles que nous allons créer. Par contre, ce qui existe, c'est les êtres humains, c'est les êtres vivants. Bon, est-ce que le Christ aurait pu être justement un mutant qui serait senti à ce moment-là porteur de toute cette empathie humaine? Parce que c'est ce qu'il est, hein. Il est, quand il dit qu'il est le fils de l'homme, c'est pour ça que la phrase est importante. Être le fils de l'homme, ça veut dire que je suis la synthèse de tous ces C'est le mouvements fils de humains. l'humanité. Et le message est définitivement contre tout comment dire, obscurantisme. Là, nous, on a des religions qui mettent à mort les gens quand ils insultent des icônes, ou quand il y a une époque, par exemple, vous verrez dans l'Ancien Testament, on a lapidé à mort un homme qui avait ramassé du bois le jour du sabbat. Vous vous rappelez de ça? Je Voilà, sais. donc, on a ces choses-là, et le Christ arrive en disant, arrêtez tout ça! Arrêtez, il n'y a rien d'impur, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Ensuite, il n'y a pas de bon, de mauvais. Je suis venu pour les bien portants et surtout pour les malades. Hein. Et puis, qu'un homme soit jaune, noir, il s'en fout. Et ça, c'est vraiment le message essentiel. Et actuellement, il est d'actualité. Je veux dire, se replier sur des visions communautaristes, c'est idiot. La chose qui devrait être faite sur Terre, c'est que les gens aient réellement conscience qu'ils forment une espèce complète avec cette solidarité. Et cette solidarité, ça ne consiste pas à esclavager les uns et puis à envahir les autres d'une autre façon, quoi. En ce moment, tout marche de travers. C'est effarant. Bah, ce message christique, on sent qu'il n'a pas duré longtemps déjà. Il a vite été dévoyé et vite été détourné. Et Et vous avez vu. on se demande ce qu'il en reste. Et vous avez vu à la fin que l'apôtre Paul, qui est un apôtre tardvenu, puisqu'il n'a pas connu le Christ, il reconfigure tout le message christique et il fabrique une religion. Et vous verrez même dans la bande dessinée, vous avez les rois qui se disent, moi je trouve que c'est pas mal, disons qu'on leur file un petit peu de terrain, il y a la dîme, c'est-à-dire que il y a un pourcentage pour ces religieux, et avec ça, je suis roi de droit divin. C'est extraordinaire. Mais Et si vous voulez, on va les prendre. Il y a deux, trois points sur justement la manière dont Pierre et Paul, surtout Paul, on a coutume de dire l'église romaine de Pierre, parce qu'il y a cette fameuse phrase que vous avez citée tout à l'heure, sur cette pierre, tu fonderas l'église, etc. Mais Paul est passé derrière et a vraiment tourné les choses d'une manière qui lui est propre et qui n'est pas propre à ce qu'était le message christique. On va prendre quelques vignettes dans l'ordre. La première, donc, c'est la 28. Là, ah on oui. a Matthieu et d'autres prophètes qui arrivent, qui disent, nous sommes allés partout, et des hommes m'ont appelé mon père ou docteur. Et Jésus leur dit, ne vous faites pas appeler maître, car vous C'est n'avez ça. qu'un seul maître, et vous êtes tous frères, n'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste, etc. Et là, première question, quand j'ai souvenir de mes années de catéchisme, et les prêtres dans l'Église catholique se font appeler mon père. Exact. Et moi, alors, vous savez, la chose suivante, c'est que quand j'ai commencé à faire cette bande dessinée, à un moment, je suis tombé sur les textes d'Ésaïe, et ceux qui exploreront la Bible verront qu'il y a un Ésaïe 1 et un Ésaïe 2. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils portent le même nom, mais il y a une telle différence de date, ce qui fait qu'on se dit que ce n'est pas le même personnage. On ne sait pas qui a écrit ça, les textes d'Ésaïe. Bon. Et je suis allé à la cathédrale d'Aix-en-Provence et j'ai trouvé un dominicain avec son beau costume. Et je lui suis venu en lui disant, voilà, je suis venu vous voir parce que j'ai des problèmes avec la Bible. Ah, qui n'en a pas? Et à ce moment-là, j'ai sorti ma BD. Il a commencé à la lire dans la cathédrale, il était mort de rire. Il voulait plus s'en détacher. Et à ce moment-là, j'ai été invité au couvent Saint-Jean-de-Malte à Aix-en-Provence, dans le monastère des Dominicains. Et ils ont demandé à avoir une copie de ce que j'avais fait. J'ai fait 3 exemplaires et ils ont regardé ça pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, après, j'ai été invité à déjeuner chez eux. C'est là que je me suis rendu compte qu'ils se tapaient une cloche pas possible. Ça, je suis témoin. Ils avaient 3, 4 espèces de fromages différents. Enfin, ben oui, quand on est moine, au moins qu'on mange bien. Ben, ceux-là, ce n'est pas les franciscains, je vous assure. C'est extraordinaire. Vraiment, ça m'a un peu choqué parce que je me disais, je ne mange pas aussi bien chez moi. C'est tout bon. Mais ils ont regardé ma BD et ils n'ont pas trouvé d'erreur. La seule chose qu'ils m'ont dit, c'est que
Dans les textes de l'Ancien Testament, quand on voit à la première rencontre, il tomba à 2000 hommes, il faut diviser par 10, quoi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de monde. Vous voyez, quand il tue 60 000 personnes, non, c'est C'était beaucoup. exagéré, d'accord. C'est beaucoup, voilà, c'est tout. Voilà. Mais Mais. sur le fond de l'œuvre, la fameuse bande dessinée, ça ne les a pas perturbés plus que ça, Tant que en termes de respect des écritures. Attendez, tant que c'était l'Ancien Testament. Mais quand j'ai commencé à faire le Nouveau, alors les portes se sont fermées. Et quand je leur ai cité ces textes de Matthieu, n'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'en avez qu'un seul, je leur ai dit, mais comment se dit-il que vous vous êtes appelé mon père? Ils étaient un peu gênés, quoi. Voilà. Ah Bon, mais ben, c'est. y a un peu de quoi. Alors, c'est pas tout, puisque. Alors, il y a cette fameuse phrase que vous nous avez dit tout à l'heure, qui est la phrase qui déclenche cette fameuse église de pierre. Alors, attendez, que je vous la lise. C'est Matthieu qui dit: Moi, je te déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera dédié aux cieux. Et là, en une phrase, il donne une force considérable au clergé. Alors, il y a une chose aussi, que vous devez savoir, qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est que justement, quand les apôtres arrivent et suivent le Christ, ils changent de nom. Ils changent de nom. Pierre, il s'appelle Simon au départ. Oui. Et il change de nom, il s'appelle Pierre. Et vous savez que ces textes nous se sont parvenus en grec. Et Pierre, c'est Céphas. Et Céphas, c'est la pierre. Par exemple, il y a un mot qui revient souvent dans cet testament, c'est la pierre angulaire. La pierre angulaire, quand il y a un bâtiment, c'est une pierre essentielle. Et en fait, quand le Christ dit tu es pierre, est-ce que c'est pas symbolique? Est-ce que tu es la pierre angulaire du groupe? C'est plutôt ça. Plutôt que de dire, et là, à ce moment-là, ben, l'Église catholique romaine a dit, ben, on va faire des choses en pierre, c'est tout. Alors ça n'a rien à voir, parce que justement, quand oui, le Christ qui arrive au temple de Jérusalem, pour lui, ce temple est une merveille, il s'en fout éperdument. Il dit, ce temple, il n'en restera pas mur sur pierre, vous vous rappelez de ça? Oui, mais effectivement, entre une lecture littérale et une lecture symbolique des textes, ça entraîne de gros bouleversements dans l'histoire de l'homme. Puis vous vous rendez compte ce que ça a donné justement avant la révolte protestante, cette commerce des indulgences. On pouvait acheter ça. Ah, alors, il y avait même quelque chose d'assez impressionnant, puisqu'on pouvait acheter en gros des parts au paradis. Pour Voilà, schématiser, mais exactement. il y avait également, alors ça c'est Howard Crowers qui nous avait appris ça, pendant la période du carême, les très fortunés pouvaient donner de l'argent à l'église aussi pour avoir des jours de carême en moins. Et avec cet argent-là, l'église fabriquait des tours sur leur site, et on appelait ça les tours de beurre, parce que c'est de l'argent que donnaient les riches pour pouvoir manger gras pendant le carême. Et là, on est dans un détournement absolu de la pratique religieuse, et de la parole religieuse. Vous savez, si vous êtes allé à Rome, vous avez vu la basilique Saint-Pierre de Rome. La basilique Saint-Pierre de Rome, c'est l'Empire State Building de la religion. C'est énorme, un truc. Vous avez des statues comment dire, de pape. Je crois que le gros orteil est gros comme ça. C'est énorme, c'est monstrueux, un truc pareil. Bon. Et alors, il y a une chose qui est le trésor de Saint-Pierre de Rome, et quand vous visitez ça, vous voyez les vêtements avec les pierreries, c'est inimaginable. Le type se balade avec 50 kilos de pierres précieuses sur le dos, quoi. Ça fait penser au film de Fellini, Roma. Vous vous rappelez, il y a une scène à la fin du film, justement, où vous avez un défilé de mode religieuse. Mais vous vous rappelez pas Non, de j'ai cette pas vu celui-là. C'est merveilleux. Et à la fin, il y a une vision extraordinaire où on voit le pape qui a une tiare avec des lampes qui s'allument, quoi. Mais vous voyez, ça fait penser au nom de la rose. Vous vous rappelez aussi ce film avec les franciscains qui sont là avec des savates et les autres qui sont avec toute leur fortune. Dans l'opulence. Mais pour rester dans l'actualité, il y en a un qui a critiqué ça assez vertement il y a quelques années. Il vient de nous quitter, c'est le footballeur Diego Maradona, qui s'était rendu au Vatican, rencontrer Jean-Paul II, et a été accueilli par Jean-Paul II. Et Diego Maradona dit à Jean-Paul: Ben, moi je reviendrai quand vous aurez vendu les plafonds en or et que vous les aurez donnés aux pauvres. Et du coup, Diego Maradona s'était fâché avec le Vatican, s'est réconcilié avec le pape François, mais il y avait eu fâcherie
entre la main de Dieu et Dieu. Mais les Juifs n'ont pas ce fétichisme des bâtiments. Une synagogue, c'est une synagogue. Mais justement, pour eux, l'objet, c'est le livre. C'est extraordinaire. Et lorsque les Babyloniens les chassent de Jérusalem et qu'ils sont déportés à Babylone, bon, ils partent et ils emmènent leurs écrits. C'est ça qui les sauve. C'est ouais, c'est la base de tout. Là où se trouve la foi, c'est là où se trouve le livre. C'est eux qui inventent presque ce genre de choses. D'où les fameuses expressions, les religions du livre. Exactement. Alors, on va... L'émission, je vois qu'elle a filé à toute vitesse. On va aborder encore deux, trois points pour finir sur cette église de pierre. C'est pas que je veuille tailler un costard au Vatican, mais... Il y a Protégélé qui nous dit « Maradona a-t-il distribué sa fortune aux pauvres ?» Ben, je ne sais pas, mais c'est une bonne question. C'est vrai que parfois, avant d'enlever la paille dans l'œil de son voisin, il faut enlever la poutre qu'on a dans le sien. On prendra quelques questions pour finir la mission, mais juste sur cette église de pierre, donc on a vu, il y a cette histoire de se faire appeler Dieu, ce pouvoir donné au clergé, puisque cette phrase « ce qui est lié sur terre sera lié aux cieux », etc., ben, en gros, ça donne le droit de confession et le droit d'excommunion. Exactement. Donc là, c'est le pouvoir spirituel qui est donné à la matière. Et ensuite, une autre image, alors la 30, cette fois-ci, il est question d'argent, cette fois-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez la phrase de Christ parlant de Salomon. À un moment, il tombe sur une fleur qui s'appelle un lys. Et il dit, regardez ces lys, ils ne fissent ni ne tissent, mais croyez-moi, en sa splendeur, Salomon n'a jamais été aussi richement vêtu. C'est-à-dire que la beauté de la végétation, c'est plus beau que tout ce qu'on peut imaginer. Une fleur, ça n'atteindra jamais, ça sera toujours supérieur aux bijoux les plus précieux. C'est magnifique comme truc. C'est un écolo, le Christ, disons, voilà. Il était en avance sur beaucoup de choses, pas que je veuille idolâtrer le personnage, mais il était en avance sur beaucoup de choses, il faut reconnaître ce qui est. Donc nos amis Pierre et Paul mettent en place, justifient en tout cas le fait de se déposséder de l'argent. Alors ça, se déposséder de son argent, c'est le message christique, c'est-à-dire de donner aux pauvres, mais eux le récupèrent, et il y a cette fameuse scène où Ananias vient et a gardé une partie de l'argent pour lui et vient en donner une partie, je crois, à Pierre, ou peut-être à Matthieu, alors je ne sais pas de quel prophète il s'agit, mais l'apôtre s'en rendant compte, les deux, Ananias et sa femme Saphira, tombèrent aux pieds de Pierre, donc oui, c'est bien Pierre, et expirèrent. Une grande crainte saisit alors tous les membres de la communauté. Et là, il y a une forme de pression. En gros, si vous ne donnez pas tout à l'église, il va vous arriver malheur. Là, vous avez toute la fin du Nouveau Testament qui est incroyable. La planche 31, de nouveau la dîme, quoi. Voilà. Rappelez-vous. Moi, j'aime bien cette planche. Elle est affichée, celle-là. Elle est absolument incroyable. Là, c'est Pierre encore qui s'exprime. Et là encore, c'est un texte des actes. Pourquoi moi seul et Barabbas n'aurions pas le droit de dispenser de travailler ? Qui a jamais servi dans l'armée à ses propres frais ? Qui plante une vigne sans en manger les fruits ? Qui fait paître le troupeau sans se nourrir de ce troupeau ? Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, ne serait-il excessif de récolter les biens matériels ? Si d'autres exercent ce droit sur vous, pourquoi pas nous à plus forte raison ? C'est extraordinaire. Donc voilà des religieux qui disent... Vous nous devez nous faire vivre, quoi, c'est tout. Voilà. C'est d'un culot monumental. Voilà, préparez vos dons, qui sème chichement moissonnera, voilà, c'est incroyable, vous serez enrichi de toute manière, donnez, c'est incroyable, incroyable. Et alors, on continue toujours avec Pierre et Paul, et cette fois-ci, c'est Paul qui justifie l'autorité. Et là, on est dans quelque chose, quand on parle d'autorité, on est encore dans quelque chose de très politique, et je ne parle pas d'autorité divine. Il y a Paul qui nous dit dans la vignette suivante, donc la 32, « Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. » C'est-à-dire que le représentant de l'autorité sur terre dans la matière est le représentant du sacré et du divin sur terre. Et donc il faut lui obéir. Alors, que Paul dise ça, alors qu'il n'a pas connu le Christ, ça pourrait se comprendre. Mais Pierre dit exactement la même chose. Et c'est un apôtre. Et c'est l'apôtre le plus important.
Et à la fin, il dit même, rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt, la taxe, la crainte, le respect, à chacun ce que vous lui devez. En gros, c'est crois et tais-toi. Et enfin, je trouve ça assez incroyable. On enlève presque le libre arbitre aux Mais croyants en faisant ça. je veux dire la chose suivante, des textes comme ça, on ne peut pas les lire en chaire, c'est pas possible. Imaginez un prêtre tout d'un coup qui dit je vais. Parce que vous savez que dans la religion catholique romaine, et même pour les protestants, ils se réfèrent surtout à l'Ancien Testament, bon, et bien à ce moment-là, les prêtres vont lire des textes. Hein. Il y a un passage où et imaginez que. Comment dire, le prêtre dit tout d'un coup que les hommes sont soumis aux autorités qui exercent le pouvoir. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Car ce n'est pas en vain que l'autorité porte le glaive. En punissant, elle est au service de Dieu pour manifester sa colère envers le malfaiteur. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre non seulement par crainte de colère, mais encore par motif de conscience. C'est encore la raison pour laquelle vous payez les impôts. Ceux qui les perçoivent sont chargés par Dieu de les appliquer à cet office. Rendez à chacun ce qu'il lui est dit. C'est extraordinaire. Mais vous imaginez lire ça en chair, les gens foutent le camp. Alors, Hein? il y a encore quelque chose, et c'est le dernier point qu'on va aborder. Là, pareil, je reprends votre idée. J'imagine, moi, quand j'étais au catéchisme, c'était le père André qui faisait la messe dans l'église de Terre-Noire à Saint-Étienne. S'il est encore de ce monde et qu'un jour il tombe sur cette vidéo, je le salue chaleureusement parce qu'il était gentil, ce curé. Mais je l'imagine lire la vignette que je vais afficher maintenant et voir la réaction de toutes les femmes dans l'église. Et je crois que c'est peut-être ce qui m'a fait le Une des choses qui m'a fait le plus bondir dans ce qui est rapporté, encore une fois, du Nouveau Testament, l'Église et les femmes, ce qu'on retrouve dans les Corinthiens et nous vient de Paul, toujours le fameux. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Bon, jusqu'à présent, bon, c'est logique dans le dogme. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef du Christ, c'est Dieu. Toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef, car c'est exactement comme si elle était rasée. Si la femme ne porte pas de voile, qu'elle se fasse tondre, l'homme, lui, ne doit pas se voiler la tête, il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme, car ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Que les femmes se taisent dans les assemblées, elles n'ont pas la permission de parler, elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi, si elles désirent s'instruire sur quelques détails, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Et je sais que beaucoup de gens réagissent des fois par rapport à l'islam sur cette place de la femme. Et ben je reprendrai mon expression de tout à l'heure. Avant de désigner la paille dans l'œil de votre voisin, enlever la poutre que moi j'imagine dans une messe, un prêtre utiliser ce texte, j'aimerais bien voir la réaction des gens. Je n'ose même pas croire que ce qu'on met dans la bouche de Paul là puisse être le reflet de ce qu'on a vu auparavant et de la fameuse parole christique. Oui, Guillaume, à l'issue de cette émission, à l'issue de ces lectures, il y a une chose qui s'impose, on ne peut pas changer ces textes. C'est extraordinaire. On ne peut pas faire un concile en disant, bon, ben ça, on va le mettre de côté. Ça n'est pas possible. Les structures religieuses sont tellement fragiles que si on se met à les contester, c'est une catastrophe. Alors moi, je me rappelle un jour, il y avait un protestant, un dimanche matin, qui avait lu des psaumes de David. Alors vous savez, dans ces psaumes, il y a des textes comme par exemple, Ah oh, Seigneur, comme tu es bon, tu fais couler le lait, le miel, etc. Oui. Puis il y a un petit passage du genre, arrache les couilles de mes ennemis et fais leur bouffer. On est moins dans la poésie. C'est un peu violent. Alors moi, j'avais eu le pasteur au téléphone, j'ai dit, mais c'est curieux, vous avez lu ces trucs-là, puis vous avez sauté ces versets. Ah ben, on n'est pas obligé de tout lire. Oui. Donc, c'est un peu la dernière planche que vous allez montrer, c'est qu'en fait, c'est libre au service, quoi. Donc, voilà. Et là, on retrouve enfin le fameux personnage Anselme Lanturlu. Voilà. Et à ce moment-là, il est dans un supermarché et il y a, comment dire, les rouleaux, les différents rouleaux, les différents textes. Et puis, vous prendrez connaissance de ce truc-là. Il croise un évêque, il lui dit, vous avez un sacré costume, et l'autre lui répond, écrase si tu veux. Ben, je crois que. Alors, toute la fin, parce qu'il y a tout le dernier chapitre où on retrouve Anselme Lanturlu, et il y a beaucoup de vignettes qui moi, m'ont beaucoup marqué. Et je vous en ai parlé l'autre jour qu'on a préparé cette émission. Je vais essayer de vous la montrer en gros plan. Hop.
J'espère que vous la verrez, les amis. Attendez, je vais peut-être me mettre moi en gros plan déjà à l'antenne. Et comme ça, vous la verrez peut-être mieux. Voilà. Hop, il y a cet enfant qui arrive et qui dit, dis maman, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas coucher dans la cathédrale? J'ai froid. Et la maman lui répond, parce que la cathédrale est fermée, c'est la maison de Dieu. Allez, viens, essaye de dormir un peu. Et là, j'ai retrouvé, oui, en fait, ça m'étonnait même pas. J'ai retrouvé tout l'humanisme qui me semble vous caractériser. Et j'ai voilà, il y a plein de choses sur cette fin de livre qui amènent à la réflexion. Alors, certains pourront penser que c'est très critique, mais comment ne pas être critique vis-à-vis de certains points? On a eu aussi l'abbé Pierre qui s'est battu justement parce que les gens dormaient dehors. Exactement. Je vous propose, les amis, si parmi vous, il y en a qui auraient quelques questions à soumettre à Jean-Pierre ce soir, bah je les prendrai avant de terminer cette émission. J'en profite pour rappeler donc qu'on se retrouvera en direct avec vous, Jean-Pierre, le 23 décembre, juste avant Noël, tiens. Hasard du calendrier, ça sera notre petit cadeau à nous sur Nura TV. Et on vous en remercie d'avance et on parlera du Métaphysicon, le dernier ouvrage, et on reviendra à un peu de métaphysique. Je pense que cette émission va être passionnante. Pour vous rappeler, donc, ce soir, l'émission, elle a été consacrée à ces deux ouvrages. Hop, je vous le mets devant l'antenne. Jésus de Nazareth. Hop, et qui retrace le Nouveau Testament, et celui-là qui est un peu plus gros, La folle histoire de Dieu. Vous avez sous la vidéo, les amis, les liens si vous voulez commander directement sur le site de l'éditeur ces deux livres. Je pense que ça ferait beaucoup, beaucoup d'heureux pour Noël. Moi, je vous les conseille vraiment chaleureusement. Donc, foncez. En plus, le prix est vraiment plus qu'abordable. J'ai été jeter un œil sur le site de l'éditeur. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, vraiment, foncez. Voilà, que dire? Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions, les amis? Comme on a un léger différé de 20 ou 30 secondes sur le direct. Alors, première question, il y a Makis Flo qui vous demande, Jean-Pierre, les dessins sont-ils de JPP ou est-ce une collaboration? Non, non, c'est moi, bien sûr. 100%, 100%, enfin, c'est Jean-Pierre Petit et Jean-Pierre Levy. Mais ça, vous le comprendrez en regardant le début de l'émission. Voilà, mais le truc que les gens doivent réaliser, c'est que quand j'ai fait cette Bible, je faisais 10 pages par jour. Je veux dire, c'est des choses qui ont été dessinées sur le coin de table dans un café, quoi. Au printemps, quand il faisait beau, moi, j'allais me mettre au soleil et puis je grattais mes pages sur du 21-29-7, quoi. Et c'est devenu un bouquin, quoi. C'est assez rigolo. Et effectivement, après, pour les éditer, on a refait les textes à l'ordinateur, mais au départ, les textes étaient écrits manuellement, quoi. Et c'est vrai que je décide très vite. Il n'y a pas d'esquisse, il n'y a pas de crayon là-dedans. C'est fait direct, voilà. C'est à l'intuition, au feeling, mais... Mais sacré ouvrage, les amis, je vous rappelle, il y a 400 pages de 400 pages de bande dessinée. Vraiment, vraiment, c'est aussi passionnant que les Lenturlus, à lire absolument. Une autre question, tiens, je la trouve assez pertinente. Je ne sais pas si le sujet vous est familier, Jean-Pierre, mais il y a Ferdinand qui nous demande, le petit oiseau de la BD dont on a parlé tout à l'heure, symbolise-t-il la langue des oiseaux, s'il vous plaît? Non, Il n'y a non, aucun rapport non. avec l'alchimie et l'hermétisme. Non, aucun rapport, bon, enfin bon, c'est un... Je sais pas, vous savez, les oiseaux, c'est ce qu'on a sous les yeux. Moi, j'ai une fenêtre. Par exemple, hier, avec ma femme, on est allé mettre plein de boules sous l'arbre. Parce qu'on nourrit des centaines d'oiseaux l'hiver. L'hiver, quand il fait froid, les boules de graisse, comme ça leur apporte des calories. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est que je les ai sous les yeux, quoi. Alors, c'est vrai qu'à un moment, j'avais mis une perche devant ma fenêtre pour que les oiseaux viennent manger juste sous mon nez. Mais il y avait trop de trucs qui descendaient sur le toit. Mon épouse a râlé. Merci pour la réponse. Allez, une petite dernière question pour ce soir. C'est Iverbo. Bah tiens, salut Yves, on te salue. Qui demande, Jean-Pierre, je suis surpris que tu n'aies pas relevé certains rapports avec les ovnis dans la Bible, notamment Zacharia chapitre 5, où un cylindre transporteur est très décrit. Est-ce qu'on retrouve des mentions qui peuvent faire penser au phénomène ovni dans la Bible? Écoutez, il y a un truc, c'est que j'ai été invité l'année dernière à faire une conférence sur les ovnis. C'est Florence, ou que ça doit être à Florence. Et dans
un édifice religieux à Florence, il y a un tableau qu'un ufologue m'a emmené voir, justement, où il y a la Vierge avec un ovni derrière. C'est extraordinaire. Elle a carrément une soucoupe volante en arrière-plan. Alors c'est exact, il y a eu énormément d'iconographie de ce genre. C'est normal, parce que le phénomène a dû se manifester à l'époque, et bon, bah, quand c'était le cas, bah, on imaginait que les anges étaient aux commandes, quoi. Voilà. Merci, merci à nouveau pour cette réponse. Et ben, je crois qu'on est arrivé au bout de cette émission. On a réussi quand même à faire le tour de presque toutes les vignettes qu'on avait sélectionnées et c'était pas gagné. Et je vous dis un grand, grand merci Jean-Pierre pour, ben, pour cette présentation qui, j'espère, donnera envie à nos auditeurs de lire ces deux bandes dessinées. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin avant qu'on rende l'antenne? Ben, disons que j'ai été content de faire ça. Pour moi, ça a été une aventure. Ce que j'espère, si vous voulez, je pense que je vais faire une association un peu comme Savoir sans frontières. Savoir sans frontières, vous savez qu'il y a une trentaine de BD qui sont traduits dans 40 langues. Actuellement, je crois qu'on offre 540 PDF téléchargeables, bon, etc. Et moi, j'aurais bien aimé mettre la Bible, mais on s'est imposé une contrainte avec mon copain Gilles, c'est non confessionnel, quoi. Donc on ne peut pas parler de choses religieuses là-dedans. Donc il va falloir créer une sorte de truc spécial, mais à ce moment-là, ce que je ferai, c'est que je mettrai toutes les versions étrangères gratuites. Et vous savez, maintenant, il y a des logiciels de traduction automatique comme DeepL qui sont très bons. Et j'ai déjà la version en italien, par exemple. Et on ne va pas s'emmerder à chercher un éditeur pour gagner de l'argent avec tout ça. Non, non. Ça va être traduit en 40 langues, vous imaginez? Parce qu'il y a certainement des tas de chocs. Puis en plus, les textes bibliques eux-mêmes sont déjà traduits. Si vous voulez chercher un verset de n'importe quoi, vous allez sur Internet, vous la trouvez en allemand, en toutes les langues. Et après, quand vous avez les textes dans les phylactères, c'est pas compliqué, c'est vraiment du langage de tous les jours. Donc, vraisemblablement, on doit pouvoir maîtriser à peu près la traduction. C'est pas la peine de payer un traducteur pour faire ça. Alors là, le jour où la Bible de Jean-Pierre Petit sera traduite dans 40 langues, ça, je serais ravi, quoi. Déjà, on a 570 000 lecteurs à Savoir sans frontières. Vous avez vu les chiffres? C'est Bon. impressionnant, c'est impressionnant. Mais le travail Et qui est derrière, elle l'est tout autant. le jour où les Américains auront des Bibles embellies dans les boîtes, dans les tiroirs, alors je voudrais voir ce jour-là, parce que ce serait pas mal. Qu'on verra dans les films et les séries américaines, dans les motels, ouvrir le tiroir et avoir la folle histoire de Dieu, ça, effectivement, ça serait quelque chose. Parce que vous savez, quand vous êtes aux États-Unis, quand vous allez dans un hôtel, vous avez la Bible dans le tiroir, il n'y a pas de problème, c'est classique. Voilà. Bon. Jean-Pierre, merci infiniment. On se donne rendez-vous bah, dans 3 semaines, le 23, et ouais, cette fois-ci, on parlera du métaphysicon. Ça va dépoter là, franchement. Ça, c'est un teaser, vous êtes prévenu. À très bientôt, Jean-Pierre, merci infiniment. Les Nuréens, merci à vous aussi d'avoir été présents ce soir en très très grand nombre. J'étais très content de vous retrouver, très content de partager ce live en compagnie de Jean-Pierre Petit avec vous. Je vous dis à très très bientôt. Donc vous avez noté, moi la prochaine fois que je prendrai l'antenne, ce sera pour cette émission avec le Métaphysicon. La semaine prochaine, vous retrouverez Nora en direct. On va vous laisser toute cette semaine pour re-regarder cette vidéo, la partager. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la relayer sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis j'ai surtout envie de vous dire, les amis, prenez soin de vous en ces temps compliqués et difficiles. Restez zen, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt. C'est vrai qu'en confinement, vous achetez ce bouquin, ça vous permet quand même de rester confiné un bon moment, tranquille, quoi. Voilà. Et ça permet de tuer le temps, comme on dit, voire bien plus. Absolument. On vous le Absolument. rappelle. Ça Merci Jean-Pierre. voilà. Ciao tout le monde, à bientôt.